Ma Mission TV, le miroir du monde. C'est ton droit de faire appel, c'est au Lingui. Le tribunal vous remercie. Plus rien ne restant au rôle, l'audience est levée. On n'est pas satisfait de la décision. Nous, on tenait à ce que le prévenu Mangangosa puisse être condamné à la peine la plus lourde qui est la peine de mort. Il était le meilleur interprète de Coutinho Fernando à l'époque. Mais comment vous allez interpréter Coutinho qui prêchait en français sans faire les études supérieures ou sans maîtriser la langue de Molière? Allez-y comprendre les genres d'hommes dédiés qu'on a au pays. Naoyo Babomi, Naoya Bomi, tout le monde a un droit. Droit à défense, peut droit à réparer préjudice, sauf qu'il y a victime, pas à la qui a tout à ma. Donc ici. C'est un criminel de circuit. C'est un pasteur qui soi-disant pasteur, qui se cache derrière la Bible. Non, nous n'avons pas échoué dans soi. C'était une peine de mort. Mais dans la peine de mort en 20 ans, c'est un travail qui a été fait. 20 ans, pour lui, ça va, mais pour moi, ça ne va pas, puisque droit est allé le coup, la mathématique. En droit, on fait pas la philosophie. C'est dit à flagrance, à coquité. Kotalisa, polele, ba preuve oye kolakisa. En droit, la mort ne se présume pas. Totanga yangona ministère public, oye a lobiete mort d'homme, moto bato ba koufi. Neko journaliste na droit ba loba, la mort ne se présume pas, la mort se prouve. Bon, namoni préveni, pasteur, namoni otanga kouma major, moko ya kotika mosinaba nako, na tanga na soudamo kobra, ke mama. Ceux qui battent un guibo, j'ai ça l'année là, moi j'ai un enfant d'arabe à Bengaï à procès. Ma Mission TV, le miroir du monde. C'est ton droit de faire appel, c'est au Lingui. Le tribunal vous remercie. Plus rien ne restant au rôle, l'audience est levée. En fait, nous, le collectif de la partie civile, en tant qu'avocat de la partie civile, on n'est pas satisfait de la décision. Nous, on tenait à ce que le prévenu Mangangosa puisse être condamné à la peine la plus lourde qui est la peine de mort. Et là, demain, on va se concerter avec la famille pour voir dans la mesure du possible comment faire appel de la décision rendue par les juges. Non, on n'est pas satisfait. On n'est pas satisfait parce qu'il y a mort d'homme, madame. Il y a mort d'homme, cette dame, elle est morte, deux jeunes dames qui sont mortes à fleur d'âge, donc c'est vraiment terrible. La famille, demain on pourra voir donc, comment faire avec la famille pour faire appel de la décision. Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Maître Franck, aujourd'hui, vous avez participé à ce procès en tant que maître en montagne, mais votre commentaire par rapport à ce procès d'aujourd'hui, qu'on vient de condamner les maîtres en montagne. Bien, la condamnation est méritée. Le monsieur a répondu de ses actes. C'est un criminel de Sirkoua. C'est un pasteur qui soi-disant pasteur, qui se cache derrière la Bible. Les esprits mauvais qui le chassent, aujourd'hui lui-même est visité par les esprits. Voilà, il a donné la mort à son épouse et à l'enfant. Paix à leurs âmes, les êtres humains. C'est vrai qu'il lui est condamné. Il vit, il est privé de liberté, mais les deux êtres chers qui sont partis, ils ne vont plus encore revenir à la vie. C'est ce que nous condamnons. Mais la décision est méritée de 20 ans, qu'il aille se reposer à la prison en attendant la suite d'autres préventions. Parce qu'il n'a pas qu'un seul dossier. Et l'opinion doit savoir aussi qu'il ne s'est pas limité seulement à son épouse et à l'enfant, mais encore deux autres qui sont à l'agonie. Donc c'est un criminel, tout a été prémédité. Et ce qui est grave, il s'est dit d'être pasteur, responsable d'une église. Or, nous avons tous attendu ici. Tantôt, on dit qu'il n'a pas étudié, il n'a fait que l'école primaire. Mais si nous revenons sur l'historique, il était le meilleur interprète de Coutinho Fernando à l'époque. Mais comment vous allez interpréter Coutinho qui prêchait en français sans faire les études supérieures ou sans maîtriser la langue de Molière? Allez-y comprendre les genres d'hommes dédiés qu'on a au pays. Et donc sa place c'est l'enfer, sa place c'est la prison. Il doit être éloigné de la société. C'est un danger pour la société. Et donc il mérite cette peine. Et ça nous fait mal, ça nous fait mal, mais c'est ça la peine. Alors, maître, de l'autre côté, vu le témoignage de quelques personnes aussi, peut-être c'était la maman aussi, Azala qui peut quand même, Namoua m'a bénaillé, a aussi papa Mingi, de votre côté, vous pouvez aussi dire. Non, on a des témoignages à Balabal. Moutalamouka n'a tongo bonnet, batwalingayote, balobi, moni m'a biminé, azawana, azakoutou moutoumabe, azamoutoumabe, on a témoignage à Balabal. Mais la libala, ce que moi je veux dire, c'est la conscience, c'est quoi? Les marins, c'est un contrat. Mais vous avez quand même suivi aussi le pasteur qui était, pardon, le pasteur qui est en train de témoigner. Quel pasteur? Non. Les avocats, non. Il a parlé aussi de la fidélité de la femme. Ah, écoutez, qui a déjà vu l'acte où il y a infidélité où moi si à Salaki? J'ai posé la question ici de savoir ce que l'on dit que moi si on a à commettre adultère. Ou à Bimaka, ce qui est soi-disant major Nako. Yo, aussi, au Kenya déjà, au Ebi, c'est déjà Nan. Il y a famille là-bas, de mon côté. Au Kenya, dans l'état, c'est un Nan. A Kenya, c'est un Balamoko, Abom. C'est un criminel. Même à Tabin, à cause de la caméra, barré. Donc, barré même, yo. Au moment où il y a une sécurité, c'est un Makasibo. Donc, un monsieur, quand il vous fixe ses yeux, au moment où il y a un criminel. Merci beaucoup. Donc, le coup, la rattaque au Kenya, c'est un Makasibo. Abomim Balamoko avant d'aller dans la prison. C'est une dangereuse décision. Et décourager, soi-disant, pasteur, non surtout, au bimana sa Bible pour que Babo Marabat. C'est l'envoûtement. Pasteur, vous allez vous en foutre. 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 Vous en foutre. C'est-à-dire, vous que Bible, comment mon ami? Comment mon ami? Merci beaucoup. Peut-être sous infidélité à cause de la bêtise. Non, ici, le problème est allé et il y a infidélité. Pour infidélité, ils ont la peau, on a mis adulte, soit au kangi, moi si naïo. Et soit au kangi, ils ont raison pour ma moutouté. Pour mon moutouté, si vous avez belé, belé, au bâton, au moins on a venu à baser belé. Il y a un pasteur, il y a un serre, il y a un plaçon, il y a un pasteur, il y a un collègue. Si je suis un bébé, il y a un peu de temps, il y a église, il y a un peu de temps. Mais il y a un peu de temps, il y a un pasteur. Merci beaucoup, maître. Maître Joël Kitinge, de votre côté, aux Araki avocats, il y a prévenu le pasteur Mangwa Kassa, de votre côté, il a condamné Motobino Bobaïko Sambela Ponaye. Est-ce que Boye Bakinabino déjà qui a causé la condamné Boye Karamison? Non, mais en fait, un médecin ne peut jamais vous dire s'il reçoit un patient dans son hôpital que le patient va mourir. Mais le médecin tente de faire de tout ce qui est à Koki Kosala,
mpete motango soki na sima bakis kolandela et tout ça bika. Donc l'avocat ne vient pas pour que son client soit condamné. Avocat yaka po asala ko kolongisa client na ye. Kolongite siko. Non, nous n'avons pas échoué dans soi. C'était une peine de mort. Mais dans peine de mort en 20 ans, c'est un travail qui a été fait. Bouti na peine de mort, boye na 20 ans bambou la we koki. Peine de mort et ali eza lokolo to bakobenga kana poto à perpétuité donc prison na e ya libela. Mais baye ko pesa prison na mibu e koka. Pour cette monnaie na kisa sa batu pa sala 20 ans babima. Mais pour nous par contre, on aurait dû éviter tout ça. Tribunal a sali mosala o esengela kite. Certains peut-être le diront bo batu bakufi oui. Moto moko te ni e magistrat à parquet ni opesi ni boba ko gango ba ko tala yo na mission na mama bibi peut vous dire exactement à 23h dans cette maison qu'est-ce qui s'est passé so que za bana oyo bazala ki ba survivante. Je me suis posé mille et une question qu'est-ce qui coûtait le tribunal alors par exemple let manase bazala juste si ma kiti nanga il était là na polo ya zone a on a procès. Pour nini baleki si bana wana te bango pe ba pesa version de fait ba tout bas à l'éclairer puisqu'il n'y a que eux qui étaient dans la maison qui savent ndenge le kaki tout ce qui est ici za biloto zo spekile mbanda mbeli ou le reste donc souvent to kondana ka biloko très vite on peut tout reprocher. Il y a eu meurtre mais non qui a constaté un meurtre par exemple au lobby le quoi meurtre ça c'est encore plus grave to yé na procès au même moment ata acte de décès za te. C'est choqué de savoir que le ministère public et le Lona Congo yenda komi ko établir ba acte de décès à place ya médecin légal légiste. Ata OPG ezalite. Deuxième élément. Ata photo ya pota ya mutu na kati ya dossier wana ezate. Le Lona 21e siècle. Ni caméra, ni photo, ni scène de crime pour tenter de se dérouler. Toute une vidéo de la femme par terre et son enfant. Qui, moi, ça c'est vous qui le dites. Si vous avez une vidéo, comment lui le ministère public a pu manquer ma vidéo et a pu présenter au procès? Parce qu'il y a lié à Wanakalam. Namate Bezaka a 5-6 avenues d'ici. Qu'est-ce qui lui a coûté de l'air? Ça, cette façon de travailler, nous n'encourageons pas justice à Motindouana. Naoyo Babomi. Naoya Bomi, tout le monde a un droit. Droit à défense, peut droit à réparer préjudice, sauf qu'il y a victime, pas à la qui a tout à ma. Donc ici, c'est vraiment regrettable que ce procès est allé vite par ambition, puisqu'il y a eu clameur publique. Non. Nous ne devons pas condamner les gens, puisqu'il y a clameur publique. Il faut que tous les éléments de droit soient réunis. Et par rapport à ce procès, non. Je suis resté dans ma soif. On vous amène un couteau. Tous les PV vous disent une machette. PV y a OPG. Abi, au babetier machette. Yemoko n'a pas qu'à une machette, mais yemoko a bimel bino na couteau. Sans vous dire à Zouyango. Est-ce que Beliwana, y a moi y a ministère public, donc on était. Pendant que tout le monde a procès, tout le monde a qui papa y a reconnaître un Beli et où t'en a poto na France. Et comme qui n'a ma boko, moi y a sambele la yango. Non, ça vous confondez. Il a reconnu que l'embellio est la marque, il y a un carton, il y a un embellio et qui au moins ça bande côté car la femme fait le commerce. Donc pas un embellio ostensile, il y a cuisine, il y a d'ac, mais plutôt la marque, il y a un embellio que la femme vendait. Marchandise, nyon, ce carton différent à prier là yango, ni à moni yango. Est-ce que yango ne veut pas habiter? Je ne sais pas. Donc je crois ceci, on ne peut pas empêcher que la justice a condamné Moto à Sali Etumbu. Nto justice est longue, sa Moto yo, ya koko isa Etumbu ezate. Mais dans une instruction, il faudra aussi que tous les éléments soient réunis Moto ko kangama, toke boloko, oebi pena na ke boloko et koka, na kangami et koka, puisque tous les éléments ya droit ezat réunis. Même qu'est-ce qui prouve d'abord que moi suis Koufi? Les autres vont me trouver même très dur dans ça. Ce n'est pas puisque je la sabote. Non. Puisque du point de vue des droits, nul ne peut dire qu'elle est morte s'il n'y a pas un acte de décès. Na code de la famille pas na biso to zalakana acte de naissance, acte de décès, na acte de mariage, de trois actes de la. Mais il n'y a personne. Pas encore le temps pour que lobby to lobby kuna baye. Non, il y a un jugement, c'est fini. Il n'y a plus un délai. Non, il y a une décision de justice où elle a déjà rendu et à ce stade, on n'en ajoute pas des pièces qui n'ont pas fait l'objet d'un débat. Même quand en matière il y a procès pénal, l'administration a preuve na ba pièces elle est libre.
mais pas après le jugement, pas après le procès. Même au degré d'appel, on ne peut pas ajouter d'autres pièces qui n'ont pas été soumises au premier juge pour asseoir conviction à eux. Bon, soumettre en gué pas juge d'appel. Merci beaucoup, maître. Alors, maître, vous ajoutez moi. Oui, c'est d'abord maître Tinda, n'a s'est présenté quand même. Maître Tinda. Maître Patrick Tinda, Mongali Bonga, Mwana Okata, Ongolo, Ogusheche. Touti Kolanda, Bouti Kolanda, puisque Bissonde Tozalagi Bate, n'a procès Oué Outi Kosila, et Tozali est peine à regret. Après avoir Moninga Langa Lobby, 20 ans, pour lui, ça va, mais pour moi, ça ne va pas, puisque droit Ezali Lokola mathématiques, en droit. On ne fait pas la philosophie ou il n'y a pas la sociologie. En droit, lorsque le ministère public saisit le tribunal, le ministère public doit porter la preuve, les preuves qui attestent à suffisance que Makambo est même en un tribunal et Zali Bongo n'engue ya lobby. Mais Toti Kolandana Bino, n'est journaliste parquet ou Zali partie principale dans un procès pénal. A même à ta preuve mon côté. Ou écoutalissa. Polele était Maya Lobby et Zali Obe Bongo. Ndeko journaliste, après que l'Anda Bongo verdict, Toyoki va condamner client Abisson à 20 ans. Mais laissez-moi vous dire que ce n'est pas encore fini. Mibeko yambo kanabiso et Pesi Bongo Ningisa. Namoto Nyoso Oyu. Zo contesté œuvre à premier juge était à interjeter appel et je pense que après avoir Kolanda décision il y a premier juge on va condamner client à 20 ans loi a pessimiso délai loi a pessimiso délai il y a ko interjeter appel et je crois na mikolo mizali ko ya makambo to ko sala yango wana nous allons interjeter appel pour être tout même dossier qui n'est pas bazouzi ya likolo bazouzi ya coup d'appel pour être bango pe ba analyser ndenge ba oyo ba analyser ba tala est-ce que ba sali mosala ba ona ndenge longo bani ou ba sali na ndenge longo bani te bongo biso to koyebisa bazouzi to ko critiquer jugement oyo ba uti ko prononcer lelo et pas bazouzi ya likolo po to yebisa bango ete mo nyamu nyamu esalami ba tosi mi be côté en droit il y a pas d'émotion en droit. C'est comme la mathématique 1 plus 1 égale 2. En droit, ce n'est pas comme en sociologie ou en philosophie. Il y a eu Bongo, clameur publique. Non, Ndeko journaliste. Même s'il y a eu clameur publique. Mais, na kolanda procès n'engue leki awa, moto oya memi client abiso na procédé à flagrance, a kokite kotalisa polele ba preuve oye kolakisa. En droit, la mort ne se présume pas. Tout en ayant un ministère public, où il y a été mort d'homme, moto bato bakoufi, neko journaliste n'a droit à l'oba, la mort ne se présume pas, la mort se prouve. Mais comme il n'a pas prouvé, comme bakouze blessé ou anaïs Allah qui prouvait, normalement, bazouz il fallait battre à client abisso. Puisque bah ouais qu'on tranchait dans l'émotion, puisque là, là vous allez qu'on dit maintenant qu'il y a un ton d'aki awa. Neko journaliste, en droit c'est la preuve. En droit, lorsqu'il n'y a pas de preuve, il y a doute. Okay. Et na droit, bah, il y a biso, au cas de doute, ça profite aux prévenus. Et qu'on profite dans la moto, oh, bah, fundi. Vaut mieux acquitter 1000 coupables que de condamner un innocent. Merci beaucoup, maître. C'est moi qui vous remercie. Alors, tout rosopé public, parce que ma mission TV, le miroir du monde, tout le barato zali, li sonabino sike information ezali, lito inabino makolo nabino kokito en temps réel, on a y assisté à ce grand procès public aux populations, il y a kala mobimba bazalaki, paye population kinoise bazalaki, et nangambo nabiso to zoape, quelques kinois, oh bazalaki, ba moni, balandi procès, na part na bango na li solo oyo, baroui kolobanini, papa to suivre. Ah, merci maman journaliste, nga la landi procès au début, tchina sou. Malgré la bimag, la zone n'a aucun possible. Donc, on a mon imabé, ton état de droit. Bon, on a prévenu, pasteur. N'a même autant à comment major, moko à côté comme ça, nako, n'attendre à soudain au cobra. Que maman, ce qui va tangi, pour Gisa Landela, major, on a fait d'arabe ben aïe à procès. Que bon, n'a la salité n'est pas saine sur la scène, maman, que on a mon imabé caca.
Ningazo cité comme pour ya major là, député major ngaza sur ya FARDC. Bon, notre baba ya FARDC. Qui a ba au se présenter à Samba pour au moins moi c'est au babali na libala. Soro yibiye yo mutu ya libanda ya ramabe. Ozala pour toi, l'état de droit. Comme maman, moi, toi, l'état de droit. Nous sommes au état de droit. Parce que toi, tu es état de droit. Ce qui, moi, sinon, on va y bien, Libanda, toi, mi pèse, Libanda. Dès que maman, aux jumbes, les bombes, moi, si. Bon, on a la salarité. Il y a un peu de procès qui est un peu de procès qui est un peu de procès qui est un peu de salam à la boutou. Ba voisin. Bah déjà ça va bimara bah t'as la réfé salami et quand la monde va bon bon bas soit t'as chef du quartier y a une certaine habilité t'as témoigné ne on me le dit que y a un moni bon moi qui ministère public n'a pas pour n'a la monde n'a ça Asa ba indomité moi mike ba bere moi mike pe bana be ba la kena bana ba mondi ba bana ba sai ba riskape ba zana na moi ba na misat volen ba benga tamo na mi ba lete ba temoneka maman pe asa awa to so maman te to zino maman moko maman lobby maman na nyoloba oh ba maman ba kimi ba Nicolas ba maman nde ba sambi ah mais ba maman ba bokolo ba papa elogo ngana déplorer c'est quoi Nazalaki bandali bandeli la procès tina souk. Et là on a déploré, il y a iba na mi balé à papa wana. Moko azana pota na genou, azalaki bandali bandeli la procès tina souk. Azui pota wana na bakou, oui salami wana. Mais azat témoin qui l'air, moi maman akoufi maman na yi. Papa ba kondané papa na yi. Mona goza la contre nani pour nani. Parce que vouloir ou pas azat perdant, azat le rôle orphelin. Papa n'a que prison vingtaine d'années. Maman azat ils sont invités. Mona na azalaki témoin au qui l'air wa kokaki ko mima. Dossier clairement. Et puis, parquet. Parquet, parce que vous avez un bâtiment, 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 parce que mais ils peuvent faire aussi des sentiers dans le terrain. Parce que vous avez deux personnes, quatre personnes, parce que vous avez un bâtiment, et puis, vous avez un bâtiment, vous avez une parcelle familiale. Vous avez un pasteur? Non, non. Je suis tout premier fois dans mon aïe, mais je suis un ami, un ami, un cousin, il y a un fils à Koufi. Hein? Il fallait passer à descendre sur les liens. Chef de Rie Azali, chef du quartier Azali, ben, venez-moi ça à ma carte. Bateau Bazali, capotez-moi pour l'humanité. Il ne fallait pas parce que ça m'a bon. Alors, il y a Yo Baksanine. Où ça là, pardon? Voilà. Yo Baksanine. Olandi procès, tu procès ici. Le procès vraiment, tu es dans temps et bandaki. Tu es à fin lorsque Kobi est presque à la fin. Et là, ça n'a pas ces années. Broki jamais, n'est pas avocat à lobby. Broki jamais, qu'au cas de procès. Sans que la preuve soit valable. Alors, on a un bishop chaque fois. Chaque fois. Ah, mon salé en Zambé. Ouais, ouais. Tu auras un chaque fois. Oui, il s'appelle Bad. Bon. Ate, il y a très bien, très poli avec les gens, très humble aussi. Alors. Mais bon, lingo, quand on a un karaté. T'es bon, lingo, t'es. Moi, si je suis koyo, je ne peux pas expliquer que je moi, je suis koyo, ok. Aki, je ne peux pas expliquer que je Yo bi ke moi si baba la yo. Mais comment okoyana mobali musinda kata ndaku sans que oyebisa mobali oyo tek chef na yo. Quoi bishop atikala jamais ko bengana moi si on ananda. Yo bi osala rapproche bishop. Bon, ninga bisi expliquer ngai. Abina nga pour le moment mutu akina ba moyen pour na ko payer loya ndaku. C'est la femme. OK. Mon mon église alors. Non. Ana église ça et quoi traité. C'est là on a un P. Eh ma chère, et quoi traité c'est un P moi. Qu'est-ce que vous avez naïf? En matière, la flagrance est ouverte. Mamangas ou Jean-Pierre. Avocat Oubarou de Kinshasa Makete. Conjointement. Maître Patrick Azadi, Tibanda, avocat après la cour d'appel de Kouli.
parole. Justement, avant, il faut d'abord. Voilà, monsieur le président, l'enveloppe qu'on vous dépose, bien et bien, ce sont les frais de consignation. Vous êtes la partie civile, vous êtes au nom de l'État. Et donc, il y a deux parties civiles. Il s'agit de monsieur Albert Touzolana et de madame Dimonekene Anne. Et donc, monsieur le président, qu'il soit acté que les deux parties civiles sont représentées par leur conseil, maître Ndungun Kossi, avocat. À ce que notre client soit bien habillé avant d'être présenté par devant vous. Je pense que ça va dans le cadre même du droit de la défense. Aujourd'hui, le droit a suffisamment évolué. Vous allez voir à ces pays, on ne présente pas quelqu'un nu, on présente des gens habillés. D'être bien habillés avant que nous puissions commencer ce procès. Merci de puisse s'habiller et nous pouvons bien finir. Merci. Merci. Est-ce que coup d'œil sur le dossier physique qu'on vous amène. Je pense que pour l'équilibre des armes, il est important, ne serait-ce que 5 minutes, c'est amplement suffisant pour que nous puissions voir ce qu'il y a, parce que je sais qu'on a acté d'une façon sommaire. Ça nous permettra, monsieur le président, d'organiser notre défense. Et vous le savez bien, il n'est pas besoin de vous apprendre ça ce jour. Le droit de la défense est sacré, même dans le procès de France. Merci. Merci. De voir l'objet saisi. Ok, merci. C'était sous votre barbe sans que vous le rendrez compte. Le tribunal vous remercie. FEL bar 034 bar R bar PR 022 bar 030 bar LEN bar 2021. Adressé à madame le président du tribunal de grande instance de Kinshasa Kalamu. Maître Tinda Monga Libonga Mwana Okata Ongolo Obusheche. Je suis avocat au barreau près de la cour d'appel de Kinshasa Matete. Juge de séance pour les incriminations des maires tentatives. Comparez les prévenus Mangwasa. Vous voulez parler à quel langue? Lingala. Lingala. Est-ce que Hollandais n'est pas le procureur à présenter? Non, on devrait savoir qui est journaliste et qui a le droit de filmer. C'est pas n'importe qui, monsieur le président. On voit là derrière, il y a de mal. Comment on a eu Nani? Mangwasa Jean-Pierre. Mangwasa Jean-Pierre. Vous êtes congolais? Nous sommes congolais. Botamina ici, oui. Le 22 décembre 1964. Oui. Vous êtes marié. Oui. Nadine. Nadine Mabongasa. Ok. Vous êtes papa et abana combien? 5, hein? 5. Vous êtes dans cette année. Meje. Meje, oui. Territoire à Niangara. Oui. Province à Oulouéli. Oui. Vous êtes pasteur de profession. Oui. On va aller à Kinshasa, avenue Mateba numéro 1, à quartier Matongé, commune à Kalamu. Oui. Ok, c'est bien le prévenu. Messieurs les procureurs, si on peut commencer maintenant. Pour prendre un appareil de test de glycémie, il va rencontrer le prévenu que voici. Et celui-ci va lui dire, je suis heureux que tu viennes parce que mon mariage est en danger et qu'aujourd'hui vous devez régler des situations. Enfin que ma femme comprenne certaines choses. Mais si cela ne se fait pas, je vais vous raconter une histoire. Je suis de Ouélé. Ici à Kinshasa, je n'ai aucune famille. Avant de venir, quand j'étais encore très jeune,
J'ai vu de mes yeux comment l'on a tué mon père. Et que donc, vous devez, vous, parents de ma femme, régler cette situation. Sinon, ça sera la catastrophe. On me demande, les prévenus me demandent, c'est quelle situation? Mais la situation que le ministère public a essayé. C'est que l'oncle est reparti. Est reparti. Le monsieur va préparer son coup. Le même samedi, entre 23h et minuit, il prépare sa magie. Le couteau que vous voyez là, vous voyez par devant vous. Il va sillonner, circuler et voir comment ses victimes sont en train de se mouvoir et préparer leur lit. Il a été même approché par un enfant. Pourquoi vous étalez le moustiquaire dehors? Il dit, allez dormir. Je vais prendre un peu l'air. Mais l'enfant veut vivre. Il dormait avec le couteau. Et ce couteau-là, il l'entendait qui? Un voleur? Non. Il attendait résoudre sa résolution criminelle. Il attendait exécuter son plan préconçu. Et maman qui va donner le premier coup fatal avec les couteaux. Il s'y combat sur le lit. Et après, il va administrer les coups. Quand on dit fatal, il va poignarder. Il va utiliser ses couteaux comme son poignard. Donc, il va les ventrer parce que le blessure était tellement... je ne sais pas si il croyait dépecer un animal. Il va les laisser. Pendant que monsieur Lasserre, entendant le bruit, sorti pour pouvoir l'empêcher, il a voulu aussi mettre fin à sa vie. Il y a une quatrième victime, on a oublié en dépit de l'enfant, qui a été blessé. Il y a M. Deo qui l'a donné des coups mortels. Que nous, c'est alors M. Public, qui est aussi dans un état alité. Et l'enfant, quand il sortit, voulant dire à son père quelque chose, lui lança la machine, les mêmes couteaux qui le blessa au pied. Et nous vous disons, cette victime est ici quelque part. Et en fils qu'il était blessé, il s'est sauvé et c'est ainsi qu'il dit la vie sauve. Donc, voilà, tel que se sont présentés les faits de la cause, les circonstances qui ont donné la mort à Madame Nadine, à Madame Merveille, ainsi que qui a blessé M. Deo et aussi l'enfant qui est menacé, qui a été blessé à la jambe. Votre honneur, tels sont les faits de la présente cause. Le tribunal vous remercie. Le tribunal passe également la parole au prévenu pour nous donner aussi sa version des faits. Ok, comparez les prévenus. Mangwangasa. Mangwangasa. Oui. Ok, c'est quoi les commettants là? Pour expliquer tribunal. Je crois que le ministère public a lobby à Yé, la partie civile peut lobby à Bango. Yo siko yo o expliquer dans tribunal makambo et les cas qui dengue ligne. Samedi na 16h na bengi na di na bi oza mwasi na bala à 18 ans. Oza mbasa biso grâce to bali ko mona mbongo. Mais pour na nini ozo zwa mobali mosusu. Major nako. Pour la ligne, à l'obinangaï, c'est la moto. À ce qui, ces messieurs, à qui il s'est dit, on va voir aussi ça, ma camionne à moto. Pour
na singi mbongo na ti kabino na komi mboa. OK. Na bimi na tamana moke ver di deve na ikolala. Tona na yaki na kupla na tabla ki na ta kuluka na mbona messi. Pole pisa bale kuku ndo bumbangai. Oko mona na shute na kila ngai. Mais na mona ki shute. Vers 23h. Na ba fumul portal. Na ba jacket ba za tolo mine ba manette ya noir na ba chapeau abi mbongo yo ba mona telemi na bi mais si bonjour ngou banga pour la ligne tant ngou ba boye mo comme le cobra abi misi meli ba mbele ngou na mi bale misi meli atianga na kimi si ma merveille na kimi si ma merveille pa meva ka ngama ka ri papa tika makambo. Quand on a un balai à Témélé, quand on a mon imbéli, c'est sérieux. On a un balai à porter pour la Kobima. Quand on a avancé, Moussa Télémissus, il y a aucun déwapi. Il y a un balai à Zobima Libanda. Alors, moi, j'ai sauvé mon imbéli, je vais vous dire à vous. Il y a mis ça tout le monde. Il y a qui m'a sauté à Zakovima. Ah, mais moi, je vais vous dire. Ah. Je ne peux pas permettre d'avoir un peu de l'accès. Allô? Na l'accès, on passe à l'accès, mais on a pas de l'accès. Allô? Oui. Na devine à qui m'imba on a la police. Na terre, la police. Ma police, on a dit. Moutouni a sa tombe. Peut-être que je suis un peu plus tard. 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 Je suis un peu parce que je suis venu à la police, 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 madame Nanga Lobina, ma jeune âme, ce qui est qui m'a gagné, c'est que Kobima. Ce qui est qui m'a gagné, c'est que Kobima. Je suis venu à la police, je suis venu. Est-ce que c'est la mobilité? Alors, si vous avez dit que le major a bien mis en mêlée, vous avez bien accordé l'accès. Tant que vous avez plus de la technique de côté, vous avez mêlée, moi ça suis pour ça. Alors, vous avez dit que vous avez dit que vous avez la police. Et tant que vous avez dit que s'il vous plaît, vous avez dit que vous avez dit. Tant que vous avez dit que vous avez dit. Je suis un peu plus jeune que le tribunal. Silence, s'il vous plaît. Silence, silence. Tribunal a pris Koyo Kayo et pour tout le monde, ma question. Ça l'a dit Bosso. Tribunal, il y a un pasteur et une église. Papa Ramoni, Moza, Papa Poudino, et un gamin dans une église armée de puissance. Aux églises, église armée de puissance. Les églises n'ont eu mon bon. Depuis quand on a pasteur? Oh, ils sont mêlés depuis. On a balancé sur 40 ans. Aux 40 ans comme pasteur. Oui. Et puis, depuis quand vous êtes marié dans un mois sinon? Depuis quand? Vous avez déjà 19 ans. Vous avez déjà 19 ans. Oui. C'est quoi, bah non, vous pouvez vous dire, hein? 5 ans. 5. Tu as adopté la femme de 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 la
Donc en fait, on va comprendre que
Bambelo yo, moi si ne vous taguez dans la gare de quoi. Ok. Bon, yo, au conspiré biso ndéni yo le biké. Dans aux autres biké biso, ma caméra est bien ndéni aux autres biké. Est-ce que nani? Est-ce que major t'as vu ce qu'il dit? Oh yo, on a édité bien tout. Et là on a édité tout yo. Dans on va nous commencer à singer. Tobo ite tribunal logique. Poyemo. C'est là. Malévi. Dans le tribunal, le PCO parole. Dans le PCO, maître, les avocats. Je crois qu'il faut éviter les délits d'audience. Hein? Laissez les prévenus parler calmement. Hein? Pour raison de sécurité, je vous conseille de rester un peu à l'écart. Mettez-vous à l'écart un peu. Laissez les prévenus seuls. Il a là devant sa propre responsabilité. Il faut l'assister uniquement. Mbeli wana olobi, moi si naoum ta yaki nao. Dans le tribunal, il peut s'en faire maloba, oloba yike. Mbeli oyo, un certain bateau ba yaki wana, mais tout mora bimi sa ki ango, bonde a desi yo. Ok? Alors, comment on peut expliquer tribunal? Mbeli, Zela, Mbeli, moi si non, en même temps, Mbeli, vous soyez qui n'a tribunal, les gens comprennent. Ce qui dit moi si n'a pas de qui 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 Mbeli ka kwa kunga iko pesa, mbeli oyo sangana wongo oyo, alambe la kayo mbisi, oya saye la kayo soso, ndeka mbeli wana nifa pesa bango, bango bazala mbeli msa ozwate. Nga batuni nga au. Na ye koloba, esa bambeli mbite. Ok. Prévenu Jean-Pierre, Nguangasa. Tribunal à est-ce que Oyebi Manassé? Oui, Azamwana. Est-ce que Okoki Koem sa tribunal est incident de Salamaki Azala qui présent ou bien Azala qui présente? Nazar voit qu'il a commis Adil. Avant de commencer, moi, la Bimaka, Adon a tout zéro, t'as tout une. On a évité pour la question de la somme. Question à tribunal est précise. Mokolowana, avant que tout maman n'aille à zone, est-ce que Azalaki Nandaku ou Azalaki Té? Azalaki Té. Est-ce que vous avez Azalaki auditionné dans la police? Vous allez bien auditionner, mais l'homme a dit que vous êtes là. Il y a moi aussi. Alors, il y a un problème avec vous. Ce qui tribunal a lundi récit, il y a Matambo expliqué. Donc, Mbeli Wana, Eza Yomoutou Baki Ambo, moi si Nayote, Naba victime Moussousou. Ma kira Bamoussa Mabon pour un acte. Est-ce que vous reconnaissez que Mbeli Wana est Zaki Nanda pour un armoire? Si vous pouvez faire une minute, vous avez vu que 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 aussi aux oies qui déjà bandéli, aux apos et la nango, maman n'a pas moyen. Moi, n'a a interpellé yo jusqu'à ce que a arraché yo bandéli wana. Au sali semblant au tiki. Mais elle, au apprendre que maman n'a yé aïe, auquel il souffre aux oies bandéli wana. Version à yo zami. Quand maman est bandéli wana, a le confirmé, elle dit que aux oies qui yango n'a moi, yango de au poma qui nango, ba victime. Quand maman a dit que 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 maman a dit que
Monsieur Jean-Pierre, est-ce que c'est parce que moi, si Nayo, va tout en acheter à merveille, mais c'est ça qui est au Canada, au demander. Papa, c'est le moment de la bombe, c'est le moment de la bombe. On est sur le PV. Parce que tout à l'heure, on se rend compte que le PV que nous avons vu sont différents de ce que le tribunal est en train de dire tout à l'heure. Premièrement, dans le PV de l'enfant, si vous le lisez bien, on ne parle pas de couteau, on parle de machette. Qu'on me contredise si j'ai dit faux. On parle de machette. L'enfant dit, on a vu papa prendre de petites machettes. On a ravi ça. Et puis il a pris de gros machettes. On ne parle pas de couteau. Mais nous nous posons la question. Maintenant le ministère public va nous répondre. D'où vient le couteau alors qu'on parle de machette? Monsieur le Président, nous sommes devant un tribunal aguerri. Parce que nous connaissons bien ce truc. Nous pouvons bien avancer avec ces questions, mais lorsque nous partons de mauvais pieds, nous risquons d'arriver à des résultats qui ne courent pas. Nous devons d'abord recadrer les choses, parce que dans le peuple, on ne parle pas de couteau, on parle de machette. Les peuples là sont de actes authentiques. Ce qui est écrit doit être interprété tel que c'est écrit. L'on parle de machette et non de couteau. Les couteaux nous viennent tout. Le tribunal, c'est une préoccupation. Une autre question. C'est vrai, c'est une matière, c'est une audience en flagrance. Mais l'on a cité beaucoup de gens ici qui ne sont pas morts. L'on a cité le major. On a cité les éléments qui sont identifiables. L'on a cité les enfants menacés. Nous demandons au tribunal, c'est une demande, qu'on nous fasse comparaître ce genre. Comme ça, nous allons faire un débat contradictoire. Nous poserons la question à ce genre qui peut-on être là lorsque le fait était en train de se passer. Comme ça, vous aurez toute la lumière et vous aurez à décider sur la liberté sacrée, consacrée par la Constitution du prévenir qui est là. Qu'on nous fasse venir Manassé qu'on cite, qu'on nous fasse venir le major qu'on cite. Et puis, j'ai l'impression qu'il y a une petite confusion entre là où les faits se sont passés et le bar dont on cite. Les faits ne se sont pas passés au bar. C'est dans la maison, dans la parcelle du pasteur. Alors que nous posons la question, nous devons peut-être cadrer ces choses pour ne pas créer une certaine confusion et permettre à nous défendre. Nous avons dit. Le tribunal veut. Il n'y a pas de vacances. Vous n'auriez pas commencé, au lieu de ce que notre cahier a expliqué, vous provient ces couteaux et détruire le tribunal ici. Ça, c'est simple, c'est le tribunal ou le parquet qui connaît d'où provient ces couteaux et pourquoi les couteaux dans un procès de machette. C'est à vous de vous le dire, là on peut bien ça. Mais c'est également une autre question. C'est la réponse faite par le pasteur Mambon.
qu'il s'agit, qui était dans la maison, qui n'était pas, tu l'as fait, tu ne l'as pas fait, du parquet, de la police, même pendant les tribunaux de CIA. Nous demandons au tribunal de ne pas le faire. C'est-à-dire la composition pour la parole nous accorder. J'aimerais que votre tribunal, monsieur le président, puisse faire également l'appel à la fille du pasteur. À la fille du pasteur et pendant le nom d'Ephraïm. Parce qu'elle, au moins, elle était là, votre honneur, honorable membre de la composition. Elle a dormi avec son père. Elle a vu tout ce qui se passait. Elle était derrière pendant que ces événements étaient en train de passer. Alors, pour que votre tribunal puisse également être lié, éclairé, parce qu'on ne peut pas plaider avec les morts, il faut que votre tribunal ait également de faire appel à la société. Vous avez cité les noms de qui? Je parlais d'Ephraïm, sa fille, elle est présente, elle était là, elle a vécu le fait. Ok, a... merci vous. Okay. Et vous restez, restez là, vous êtes l'avocat de qui? Nous sommes l'avocat du pasteur. Du pasteur. Donc, les récits de faits tels que présentés par le pasteur, avez-vous entendu? Et le pasteur a cité le nom d'Ephraïm. Qui était beaucoup. Sur place. Répondez à la question. Merci beaucoup, votre honneur. Votre honneur, monsieur le président. Maître, répondez à la question. Dans le récit de fait, avez-vous entendu le pasteur parler d'Ephraïm? Votre honneur, monsieur le président, vous êtes un tribunal actif. Non, maître, justement, c'est ça la question. Parce que lorsque le tribunal, maître, lorsque le tribunal a posé la question à votre client, il n'a pas parlé des frères. Mais vous, vous avez parlé des frères. Non, non, maître, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Il ne faut pas engager un débat, ça, c'est une observation. Le tribunal vous fait observer. Et vous qui êtes l'avocat du pasteur, vous avez reconnu qu'Ephraïm était là. Mais votre client a dit au tribunal qu'Ephraïm n'était pas présent. Quel sera l'incident si jamais votre tribunal arriverait à... C'est une observation, maître. Merci, votre honneur. Vous êtes avocat, vous êtes juriste. Merci, votre honneur. Vous savez pourquoi le tribunal vous a posé cette question. Allez-y, maître. L'un des membres de la composition posait la question à mon client au lieu et place, monsieur le président, de dire, puisqu'il s'agissait de PV de la police, bah, je n'ai pas compris comment, puisque nous avons quand même lu ces PV, au lieu et place, de poser la question, de dire qu'il s'agissait des PV de la police, bah, à notre grande surprise, monsieur le président parle plutôt des PV du parquet. Nous voulons qu'il y ait quand même une précision, puisqu'il ne s'agissait pas ces PV-là, ce sont les PV de la police et non du parquet. Comme ça, le prévenu aura la facilité de répondre s'il a été auditionné au niveau de la police ou pas. Nous avons. Le tribunal vous remercie. Côté partie civile, oui, maintenant vous avez la parole. Merci. Je prends la parole pour votre office au tribunal. Messieurs le président, messieurs le ministère public à votre aide. Allô, j'ai entendu la partie prévenue pour la partie assassin. Il faut dire que. Allez-y, maître, allez-y. Allez-y. Il a retiré sa femme. Allez-y, il a retiré. Gagnant du temps. Allez-y, maître. Monsieur le président, il existe ici un major qui s'appelle Major Lambo. Que ça fait 3 mois
dont le prévenu est suspecté sa femme, Madame Nadine. Est-ce que je voulais savoir, le prévenu a-t-il informé les parents de Madame Nadine que Madame Nadine sort avec Major Nako? Là, c'est la première question. Deuxième question, si le prévenu peut nous répondre, quelle est la différence faite par lui entre petit couteau ou petit machette et la machette? Parce qu'il a dit tout à l'heure que c'est une base d'un petit couteau. Si c'est une petite machette, quelle est la différence faite par lui, le prévenu, entre petite machette et machette? C'est deux petites questions. De deux, j'ai entendu tout le monde qui menacé. Je pense qu'en tant qu'avocat du Parti civil, nous vous informons, monsieur le président, si le tribunal menacé ses enfants mineurs, là de 1, vous le savez la procédure. Si le tribunal est d'accord d'écouter Manassé, autorisez-nous d'amener Manassé devant votre guise de tribunal pour vous écouter. Là de 1. De 2, en dehors de Manassé, il y a aussi Winner qui est prêt de répondre à leur père. Je dis et je vous remercie. Merci. Nous avons la parole. Merci. Oui, allez-y. Votre Honneur, nous avons quelques questions à faire poser au prévenu. Allez-y, le prévenu, peut-il nous confirmer tout à fait qu'il était assisté d'un avocat? Ça, c'est ma première question. Bon, maintenant, on passe. Le tribunal a une démarche. D'abord, vous réagissez par question plus venue, et puis si vous avez des questions pour vous, comme ça vous pouvez poser. Et puis, donc, vous répondez d'abord, vous réagissez, et puis si vous avez des questions, et puis si vous avez des préoccupations également, vous faites des mêmes. Comme ça, on peut avancer rapidement. Oui, allez-y. Merci, votre honneur. Si nous sommes allés directement en question parce que nous avons trouvé, ce n'était pas des préoccupations, mais c'était une manière de la procédure qui nous demande. Parce qu'il parle de Manassé. Manassé n'est pas fantôme. Manassé a été auditionné. Là, tout à l'heure. Et le PV a été consulté. Et donc, si Manassé n'est pas là, on devrait l'écouter, on devrait l'auditionner. Je trouve que c'est parfait. C'est inutile. Parce que Manassé a suffisamment éclairé le ministère public quand il a été auditionné. Quant au major fantôme, parler des NAPO, comment on va éviter que nous parlons d'un fantôme? Les récits. Du prévenu démontre que le major là n'existe pas parce qu'il dit la même vie, les mêmes policiers qui sont venus les chercher, qui l'ont amené ici. Et qu'il a crié, voici Nako. Vous avez crié que non, c'est la même type de Nako et de soi en disant Nako, c'est la même type qu'il a amené. C'est un fantôme qu'on crée pour pouvoir empêcher la procédure du prévenu. Nous croyons, nous sommes dans une procédure de France. Ceux qui ont été entendus, ils ne lient pas les faits, ils ne lient pas avoir vu les personnes qui n'ont pas été de personne. Ils vous disent que ce n'est pas lui qui a fait prêt tomber parce que. Maître, s'il vous plaît, maître, s'il vous plaît. Je crois que vous êtes des avocats. Je ne sais pas, vous avez votre technologie. On ne sait pas. Mais si on vous demande de poser des questions, mettez, posez des questions. Hein? Ce n'est pas le moment de plaider. Et le tribunal a des questions. Avec le temps, nous avons des questions à poser aux prévenus. Mais au contraire, chez vous, on constate, vous avez beaucoup plus de préoccupations, des observations. Ce n'est pas encore le moment. Le tribunal va vous donner le temps d'exposer, de plaider en droit, de plaider en fait et en droit.
Mais si vous avez des questions, posez vos questions et puis le tribunal avance. Merci, monsieur le président. Je croyais que je posais une question, le tribunal m'a demandé de répondre aux préoccupations. Allez-y rapidement, monsieur. Allez-y. Oui. Il faut gagner du temps. J'avais fait poser la première question. Il s'agissait de savoir si le prévenu par devant nous ici, s'il avait été assisté d'un avocat ou pas. Si okay. Oui. Comparer les prévenus. Prévenu. Est-ce que vous allez qui assister dans l'avocat? Non, question est simple. Est-ce que tant vous allez qui. Bon, il faut préciser, maître, il a été arrêté à la police et puis transféré au parquet. Il a été entendu devant l'OPJ et devant les magistrats instructeurs. Voilà, maintenant la question c'est à quel niveau? Devant l'OPJ ou bien devant les. Devant le parquet. Est-ce que dans le parquet, vous avez qui assisté? Na auto za skona parke okwalinga kite okwa za kebena gal parke boy avocat na yaza allo za la ki boy ça bon parke za la ki be boy ki parke allo donc il dit en fait avocat za la ki be boy ki allo allez-y merci votre nom. Le prévenu peut-il dire si monsieur Touzolan Albert était samedi chez lui à la maison? Pardon? Si le prévenu peut dire si monsieur Touzolan Albert, l'oncle de sa femme était. Allez-y, vite. Peut-il confirmer qu'il a dit à monsieur Touzolan son père a été tué par le vol? Oui. Ok. Merci, votre honneur. Le pasteur peut-il confirmer que le couteau qui est devant vous, c'est une extensible de sa maison? Est-ce que vous avez confirmé que le couteau est à Yoya Dap? Est-ce que vous pouvez confirmer que Meli Oyo et ça Meli Oyo moi si na yo utilisé la pour la lamba bah et tout ça. Oui, ok. Allez-y. Avoir dit que ce couteau ici a reçu sa bénédiction. Il y a un carton. 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 Au carton va boumette, au carton va pantalon, au carton va chemise, la tout le monde a mis Seigneur. C'est mal au bon qu'on peut toujours le faire. Votre honneur, si le prévenu. Votre honneur, si vous pouvez poser cette question, il a identifié. Au point, il a identifié le major, il a identifié qu'ils étaient taboulés. Donc, en fait, en lunettes noires. Et là, tu es là, tu es là. Mon toit, moi, le macamouan, tu es là. Et là, tu es là, tu es là. Au nom de nous, nous sommes goûtés. Non, ma couleur, c'est la noire. Et c'est la chose, c'est déjà parti, la vie, la vie, la vie, la vie. Oh, la vie. Oui. Au moment où Cobra était devant lui, il n'a pas et qu'il avait peur. Peut-il nous dire où était Merveille? À quelle distance Merveille était dans une pièce haute ou elle était dehors avec? Bon, tant que vous battez, Merveille est avec vous. Dans
Trop de questions. Prévenu Jean-Pierre. Si nous allons commencer avec ces comportements, les tribunaux vont nous ordonner de partir. Maître, je crois que vous avez. Maître, s'il vous plaît. Maître, calmez-vous. Maître, on est au tribunal. S'il vous plaît, maître, vous n'avez pas la parole. Maître, je vous rappelle. Vous avez prêté serment de respecter le tribunal et ses alimentaires. Si le tribunal vous fait cette observation, un avocat écoute. Un avocat doit écouter. C'est une observation. On vous dit parce que le tribunal a senti qu'il y a trop d'émotions. C'est pourquoi le tribunal vous demande. Parce que quand le tribunal vous dit, maître, arrêtez de parler. Pourquoi vous êtes arrivé à la police? Pour la nini au commun à la police. Lobby et sa suite y a invité à moi si la naï mais n'a adultère naïe. A zo déclaré divorce. Et puis on continue. Tous autant à la déposition, il y a la police. On continue. Aujourd'hui, un major Nako avec ses quatre militaires en tenue civile sont venus boire chez ma fille Merveille.
sur Vista, quartier Matongé, commune de Karama. Ma femme buvait avec eux. J'ai voulu aller la récupérer. J'ai voulu aller récupérer mon épouse. Arrivé sur les lieux, je n'ai plus vu ma femme qui serait partie à l'hôtel comme d'habitude avec ses majors. C'était vers 19h. Tout à l'heure, tribunal a tenu une question, s'il vous plaît. Tribunal a tenu une question. Est-ce que le Colouan a aucun temps qui n'a pas rien même été pour la couvre-feu? Tribunal a tenu la déposition à eux tout à l'heure pour nous dire aucun temps qui n'a pas été. Malheureusement, pour tout ça qui était 19h, aucun temps qui n'a pas été dans la major Rouen. Est-ce que vous pouvez expliquer, tribunal, contradiction Rouen exactement? Une série de questions. Notez s'il vous plaît. Est-ce que y a qui possède un ban? Est-ce que Osignac possède un bar? Le problème, Babouina qui est au Tanga. Est-ce que Osignac possède un bar? Est-ce que Okoki Kopusa? Okoki Kopusa tribunal ou Osignac? Très bien. Pas obligé de la signer. Très bien. Ok. S'il vous plaît, notez, hein, je vous apporter la parole. Est-ce que vous pouvez confirmer, tribunal, présence il y a Hermine, na maman na yeti moneke, ne moukolo, ba incident, et celle ma qui est pas na yo? Maman, na na maman, na yo, na ka, ba. Ce qui, Hermine, a zate, le azan na ba, bimu na ba, moi. Je suis là. Moukolo a un incident. Est-ce Hermine Anaye Bazalaki et Panayo? Des questions à tribunal. Oui, réponse na Yuza. Présence ya Hermine na maman na Bazalaki de Bazalaki a Koyebibé. Très bien. Yokande Moussa. Une série de questions. Osamba qui boit dans la police. Vers 22h, ma femme est venue à la maison. Je lui ai demandé pourquoi n'a-t-elle pas cessé avec cette habitude. Elle m'a insulté. Tata Nayo, Maman Nayo. Je me suis décidé d'aller dormir. Après une longue discussion, sa grande sœur Hermine et sa mère Dimonekeni sont venues me menacer. Chez moi, dès qu'au samba ou au samba qui dans la police. Tout à l'heure, ayez l'habitude de répondre quand on vous accorde la parole. Ça va? Il y a une question pour vous donner l'attitude et pour répondre dès que vous.
tribunal a relevé tout à l'heure que vous allez vous reconnaître techniquement. Pourquoi avoir fait cette déposition dans la police? Maître Kambila, évitez ça. Le droit de la défense est garanti. Vous répondrez le moment opportun. C'est pas pour la question. Oui. Non, pas par rapport à la question. C'est une question procédurale. Oui. Monsieur le Président, je prenais la parole pour faire observer une question de tact. Nous sommes dans une procédure de la flagrance. Dans une procédure de la flagrance, il y a ceci de particulier. Le tribunal, le parquet, le parti au procès découvre le fait, séance tenante. Ça, c'est une question majeure de la procédure de flagrance. Comment est-ce que le tribunal ne fait que s'accrocher à des procès verbales qui ont été obtenus dans les conditions que nous avons? Monsieur le Président, s'il y a des procès à examiner, pourquoi nous sommes dans une procédure de flagrance? S'il y a des procès à observer, vous nous renvoyez, on revient, on examine ce procès, vous nous donnez l'égalité de chance. Je peux terminer, monsieur le Président. Oui. Vous nous donnez l'égalité de chance, parce que le procès sur l'équilibre, ça symbolise la balance que nous portons, vous et nous. Vous nous donnez les mêmes moyens, les mêmes armes pour que nous venions répondre. Les procès de la France, on ne s'accroche pas aux PV qui ont été obtenus sommairement. Qu'il vous plaise donc, soit on revient dans le procès de la France, ou carrément on renvoie. Qu'on puisse étudier à fond ces procès et qu'on organise le droit de la défense, le droit sacré, le droit garanti. Merci. Je reviendrai pour compléter les questions techniques que vous avez posées. Merci, le tribunal a compris. Par rapport à ça, le tribunal va vous répondre. Je crois, non, maître, attendez. Je crois, avant le début de l'audience, vous avez demandé au tribunal de compléter le geste. N'oubliez pas ça. Attendez, maître. On ne vous demande pas de réagir. Le tribunal ne va pas vous donner la parole pour réagir. Vous n'engagez pas un débat avec le tribunal. Le tribunal observe, avant le début de l'audience, vous lui avez demandé la parole, vous lui avez demandé de compléter les pièces du dossier. Je crois, par rapport à ça, le tribunal a répondu à votre préoccupation. Allez-y. Le tribunal poursuit avec la série de questions. Prévenu Jean-Pierre, voulez-vous passer le micro au prévenu, s'il vous plaît? Tout à l'heure, on nous dit que Major Naïkit Naï Bayaki Panayo Nanda, n'est-ce pas? Est-ce que vous voyez que ça tribunal? Exactement, parce que le bib agressa qui on a harmonie. Oh, mon ami, il y a une chose. Oh, mon ami, il y a un gang de papa. Natala Awa, ma kile va nous. La mission à s'occuper, n'a le camo le voir. N'a pas nous pour le canal à tout la routine. N'a évité, j'ai dit ma chance. N'a évité Jacques Mbeli. Parce que Mbeli est dans mon lit. Ah, je ne sais pas ce que. Je ne sais dans la police, on voit que. Bah, utiliser qui cause y a arme. Oh, on a la petite place à Bétiné. Ok.
peut-être une dernière question. Tout à l'heure, ce qui criait la landique au Sambanaïo très bien, au sujet à Bambéni. Herba la qui s'est béni au lobby. Oye Bakaba ustensile yanda kunayote. Ce qui criait la landique très bien. Alors dit, Oye Bakaba ustensile yanda kunayote. Mais comment est-ce que vous avez la conviction ferme que Béli ont fait partie de l'arme qu'ils ont utilisée pour cela incident. Naoti, pour le cartel de Shanghai, que moi je suis un de Chopon et Katana Katana. Et là, on est pour Katana, on est Béli. Les personnes qui ont pour la première fois pour le ballonnette, dans mon amour, pour la Souda Kenya, mais quand même moi je me suis dit bah 4-4 on a béni mais mon nom est ok. Oui Mathieu, vous avez entendez nous avons oui exactement okay, mais également quelques observations. Vous avez trop des observations certainement. Nous voulons que le tribunal constate et connote que le prévenu ici notre client a remis en cause l'authenticité du PV ici pour la police de l'OPC. Exactement. Et vous comprenez, vous l'avez constaté vous-même. Je crois que je ne remets pas, je ne donne pas les leçons au tribunal, que les prévenus, lorsque vous parlez en français, ils ne comprennent pas. C'est tout le monde qui le remarque, on est en public. Vous pouvez comprendre le niveau d'instruction et de type qu'il a. Okay. Ça, c'est un élément important quand il faut qualifier l'intellectuel ou pas. C'est comme cela que je commençais par les observations. Mais c'est une question que nous avons fait poser au tribunal, bon, peut-être le ministère public. Là, vous ne nous avez jamais répondu. Les gens civils. Oui. Non, il faut poser la question au tribunal, au ministère. Au ministère public, le couteau qu'il vous a amené, est-ce que c'est le couteau du parquet, de la cuisine, de un des membres du parquet? C'est quel couteau? Puisque le PV ne parle même pas du couteau. On peut être posé la question au ministère. Exactement. D'où provient ce couteau? Il est là, il est où? Ministère public. Et le major est où? Ok. Vous avez suivi la question de la partie prévenue. Dans le PV, on parle de la présent. Nous voyons un couteau. C'est ça la préoccupation que nous où se trouve le major Napou. Merci Monsieur le Président pour la parole accordée au parti. Ce couteau fait partie des objets saisis. Donc il est arrivé au parquet par un PV de saisie d'objets. Et ce sentiment n'a pas été mis en cause par la partie prévenue. Quant à la différence qui fait faire un fonctionnaire, donc le couteau fait partie du dossier selon le procès formel de ce IKIJ. Nous avons où se trouve le major Nako? Le major Nako, c'est le prévenu qui a parlé de lui. Nous ne savons pas exactement si c'est qu'il fait ou s'il existe réellement. Il n'a jamais été ni auditionné par la police ni par le parquet. Nous ne savons pas s'il existe. Merci. Juste une dernière pensée qui me concerne. On peut les mettre. Vous tous, nous avons constaté que le parquet ne connaît pas, il a juste trouvé un couteau, donc il ne sait pas où il a été. Le parquet est incapable de vous dire que je suis allé sur le lieu. J'ai mené le petite enquête présidentielle. En arrivant, j'ai vu le corps, j'ai trouvé le couteau. Le parquet ne sait rien, alors nous connaissons quand le parquet parle. Là, c'est un élément à constater. Que c'est un couteau que le parquet aussi a ramassé quelque part. Mais un élément très important, nous savons qu'il s'agit bel et bien de la mort de personnes et de la fin d'une. Est-ce que le parquet sommairement a pu requis, même circonstanciellement un médecin, pour que, à l'issue de cette instruction, que le médecin vous dise les blessures qui ont causé la mort sont des blessures d'un couteau, d'un ballonnette, comme vous en avez fait à l'issue, d'une balle ou du reste. Pourquoi? Puisque certainement, nous respectons la vie humaine.
Il s'est mort. Mais de quoi? Que le ministère public vous dise. Ok, ministère public. Avez-vous requis un médecin pour connaître la cause exacte du décès de la victime? Monsieur le Président, nous avons cessé de le dire et de le répéter, nous n'allons pas cesser. Nous sommes en procédure de flagrance. Pour honneur aux avocats, je ne vais pas définir cette procédure. Nous sommes en train de découvrir la vérité séance tenante par rapport au fait de la cause. Donc, le tribunal, les ministères publics et toutes les parties sont en train de découvrir tout ce qui est apposé comme acte doit l'être par rapport à l'instruction devant les juges de séance. Nous avons dit, monsieur le président. Merci, monsieur le président. Pour le clair du verbe, je pense que nous sommes tous juristes, mais laissez-moi vous dire que ce que venait de dire notre adversaire, puisque c'est lui qui a amené notre client à devant vous, nous a tellement estomaqué. Monsieur le Président, que cela retienne, puisque le ministère public qui a saisi votre guise de tribunal, nous présumons que le ministère public a des éléments, a des preuves suffisantes pour convaincre votre ministre de tribunal, qui ne sert pas de se déployer, monsieur le président. Quand notre client, lorsqu'il était auditionné au parquet, monsieur le président, il a cité le nom d'un certain major. Monsieur le président, le ministère public ne pouvait pas laisser passer ce nom pour aujourd'hui à l'audience, alors qu'il a fixé le dossier au tribunal, qu'il vous dise c'est un effectif, mais c'est gravissime, monsieur le président. Qui dit ça sur le ministère public? Monsieur le président, le prévenu, au moment important, va rencontrer le parquet avec des arguments massifs. Tout simplement parce qu'il a trouvé que c'est une instruction tellement bâclée, le ministre de Russie. Oui. J'ai une question. Les faits se sont passés les 30 à 23 heures. Les faits se sont passés à 23 heures à domicile. Est-ce le jour qui a suivi? Donc aujourd'hui, le ministère public a-t-il un expert, premièrement, pour essayer ne serait-ce que d'identifier les empreintes qui se trouveraient sur ce couteau-là? Deuxièmement, le sang. Est-ce le sang humain ou c'est le sang d'un cochon, d'une chèvre et tout ça? Parce qu'il est important de savoir, nous sommes en train de voir le couteau couvert de sang. Il s'agit de quel sang et les empreintes qui se retrouvent sur ce couteau-là. Et cet emballage-là provient d'où? Le ministère public avait déjà répondu que... Non, maître, parce que vous ne voulez pas suivre. Maître, je vous ai interdit de réagir comme ça. Vous avez déjà des adeptes, vous avez des juristes expérimentés. Hein? Le tribunal vous a interdit de réagir comme ça. Maître, ça je vous l'ai dit. Hein? Le tribunal n'a pas peur de vous retirer la parole. C'est une observation, on fait seulement des observations que quand il faut réagir, agissez d'une manière professionnelle. Et par rapport à cette question, le tribunal. Je crois que le ministère public avait répondu à cette question, nous sommes dans une procédure de flagrance. Parce que vous demandez au ministère public pourquoi vous n'avez pas requis un médecin pour constater si le sang qui est dans ce couteau, c'est un sang humain ou bien c'est un sang d'un animal. Le ministère public vous a déjà répondu que nous sommes dans une procédure de flagrance. Et n'oubliez pas,
Quand vous posez la question, là je ne vous apprends rien, vous êtes des avocats, c'est le tribunal qui apprécie l'opportunité de cette question-là. Si le tribunal trouve que la question-là n'est pas intéressante, eh bien, il ne faut pas poser la question. C'est clair, ça vous le savez très bien. Ok ? Est-ce qu'on peut avancer ? Avec les questions ? Maître, vous avez déjà trop parlé, vous pouvez laisser à votre... Non, non, laissez d'abord l'autre parler. Merci, monsieur le président, pour la parole. Une erreur judiciaire est un chef d'œuvre. Le ministère public, en prenant la parole par devant vous, il a dit les deux personnes mortes ont reçu à chacun un coup. Quand il dit à chacun un coup, c'est-à-dire il met la pause. Le couteau qui est par devant vous, on dit que c'est l'objet causal de la mort. Alors nous voudrions savoir, et le couteau qui est par devant vous, couvert de sang, et le ministère public qui vous dit que les deux personnes ont reçu les coups de mort. Alors pouvez-vous nous dire, monsieur le président, que le ministère public puisse nous dire qui a réellement donné la mort, monsieur le président. Parce que le prévenu qui est là, dans 30 minutes, vous allez le condamner. Merci. Alors nous ne voulons pas que la personne soit condamnée sans toutefois que le droit soit établi. Nous dise, monsieur le président, qu'est-ce qui a donné la mort? Il a dit les coups. Quel est le coup? Ok, ministère public, la réponse. Monsieur le président. L'arme qui a été trouvée sur le lieu du crime, c'est le couteau. Nous appelons juste après ce côté que c'est l'arme qui a donné la mort. C'est pour cela que la partie ici, inculpée en train de tergiverser, c'est l'arme qui a été trouvée sur le couteau et c'est la seule arme qui a été saisie. Il n'a pas été nié par le prévenu de l'arme. Nous ne pouvons pas continuer à instruire sur les faits à charge du prévenu. D'autant plus que le prévenu, dans sa parole, il a eu à citer à charge M. Nako, qui est le major. Donc, à ce stade, M. le Président, nous, la partie prévenue, nous sollicitons de votre tribunal. D'autant plus que le procès flagrant ne peut pas dire que précipitation. La procédure de la flagrance ne peut pas dire que la décision ne doit qu'être rendue aujourd'hui. Non, M. le Président, le prévenu est en train d'attendre une décision de souveraineté et une décision de sagesse de votre part. Prendre une décision en toute précipitation sera question de mettre le doigt de côté. Nous demandons sagement à votre vice tribunal de faire comparaître les deux personnes qui ont été longuement citées par le prévenu, par le ministère public, et que l'audience tourne autour de ces deux noms. Le tribunal ne peut pas seulement sur le prévenu qui est là. Le prévenu a cité M. Nako et Cobra, qui, les personnes ayant donné le coup en prenant la mort aux deux personnes décédées. Donc le tribunal doit tenir compte de cet aspect des choses. Ça sera dans le cadre de ce procès. Il était question à ce que notre client puisse d'abord se vêtir. Nous voudrions, monsieur le président, c'est ça même la question que nous posons au ministère public, pour qu'il puisse nous dire, est-ce que, depuis que les faits se sont déroulés, est-ce que les habits que portait notre client avant l'entame de ce procès, ce sont les mêmes habits qu'il avait le jour des faits où il a dû changer les habits? Le tribunal n'a pas compris. Monsieur le Président, nous savons pourquoi nous avons posé cette question. Mais n'est pas vous, maître. J'en viens. Maître, s'il vous plaît. Oui. Je discute. Maître, on vous a interdit de discuter avec les tribunaux. Ok. Hein? Oui. Je vais le dire doucement et gentiment comme un père de famille, comme un beau père de famille. Le tribunal vous a interdit de discuter. On ne discute pas avec les tribunaux. Et le tribunal vous a dit, vous posez des questions, c'est le tribunal qui apprécie.
de donner les faits, nous allons vous donner les points. Laissez vous exposer les faits, le tribunal va apprécier. Le tribunal va en tirer peut-être les conséquences. Ce sont les observations que vous avez faites. Il ne faut pas être agité, oh non, agité, oh non, les déjà condamné. Qui vous dit ça? Ouais. Aujourd'hui, vous êtes du côté du privilégié, demain, vous serez du côté de la partie victime. Vous allez encore changer de bagage? Je ne pense pas. Donc, il faut rester constant, rester tel que nos professeurs nous ont enseigné. Donc, jeter les passions, mettez les passions à côté. Comme ça, on devient grand. Allons-y, maître. Il n'y a qu'une question? Oui, votre honneur. Bon, c'est fini, organisé. Merci, votre honneur. Vous allez revenir sur ça. Merci, votre honneur, honorable membre de la composition. Il faut encore vous accorder. Votre honneur, monsieur le président. Si nous sommes enseignants, c'est parce que nous sommes en train de résoudre un dossier de Bourgogne. Alors, votre honneur, monsieur le président, une question de Bourgogne a toujours été prouvée, votre honneur, monsieur le président, la mort, ça se prouve par des actes judiciaires. Je le dis, votre honneur. Notre question est celle de ce moment. Nous voulons, votre honneur, que le ministère public, par devoir vous, votre honneur, monsieur le président, puisse vous montrer l'élément qui atteste, votre honneur, monsieur le président, que le secondaire en bel et bien était décédé. Parce que, votre honneur, monsieur le président, nous avons des actes de décès qui attestent de la mort. Alors, nous voudrions, votre honneur, que votre tribunal puisse poser la question au ministère public. Par rapport à cette question-là, le tribunal peut vous répondre. Parce que ce sont les pièces que nous avons ici. Et le tribunal a complicé le plus du dossier. Il n'y a pas un acte de décès, ni un certificat de décès dans les dossiers. Donc vous allez en tirer toutes les conséquences. Merci. Au rebat que moi, si Nayo a Kota qui, dans la Bimé, Bimé qui est, dans la zone d'Ambo, à Zora qui n'a pas un certain major. C'est ça. On a quatre éléments. On a quatre éléments. Il y a qui nous sont dans la côté, mais dans la zone d'Ambo, la mort, ils ont mis la barre. Ok. Mais, à côté de l'Anda, hein? Je vais te comprendre bien, ma camarade. L'Anda, bien. Sur les abords, tu as un tribunal qui a été au corrigé. Bakoti, on le voit qui t'y portait une abino, ils ont la. Comment? Qui t'y a? Donc, nous tenions sur toi, il y a une abino facile. Donc, moi, si nous avons un bah on peut Bakoti. Mais que Batolemi, moi, si nous bien, à tel niveau qu'on a eu, bien mon bal, il y a tel niveau qu'on a eu, dans le pécan, moi aussi. Mais on l'a pas dit. Et dans la technique, il y a tel niveau qu'on a eu. Dans la mouki. Ou la mouki, au moulin d'Arlo. Du coup, la mouli major, la quatre éléments, la moisi. La moisi, là. Alors, dans le chico, on a eu le bal. Oui, c'est là. Bazala qui n'a pas eu. Bon, là, pour le major, la tel qu'on a dit, n'a pas eu le mot. Bâton, 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 Non, non, ça a été le bonheur.
Je vais vous enseigner. Je vois, maître, vous enseignez trop les prévenir. Laissez un peu les prévenir libres. Hein? Maître, laissez un peu les prévenir libres. Ça, on vous a déjà rappelé ça au début là. Hein? Maître, laissez un peu les prévenir libres. Bon, maman et moi, à premier coup, les humains en aient à moi. Allez-les, papa, la joue. Deuxième coup, à couteau, c'est l'oyo. Les huit de l'eau. Nazoki, maman gentiment, aïe pas ya bobali na yona, chérie, dans la mouton y sera yébi secret à vos panza, secret na biso. Donc, on va expliquer on est maman qui peut tomber dans la été. Donc, maman pas gagné la guibana, tu vis au loban et voilà. D'après où dans ce cas-là, il est qui? On a pour répondre la place n'a été parce qu'on a monté mal a été. Ok. Bon, c'est bon, quand est-ce que sinon il y est avec vous, quoi, non? Quand on se couille, on est allé à Souka 3e. À l'obi, tu peux échouer la mission T. Faut qu'on réussisse, alors, sur la deuxième position, il n'y a pas pour la bloquer, n'aille, 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 Ok, merci. Sigo, maintenant, tu viens n'y aller pas. Avant moi, si n'a pas de bon discuté qui n'a rien au colombo. Au soir, n'a rien. Vous avez un assaut à Poussin à Yoté, Pessan à Yimbongo, Nana Kini. Wana, moi, si on le baguine. Ça, je change la parole. Où est-ce que tu as dit? Ok, que ça va tout à qui si vous êtes dans la porte. La côté dans le fond, on a senti vertu. Mais puis, la police, c'est déjà permis de faire des mingas. La commune de la police, la piqué qui n'a pas été fait. Est-ce que vous avez dit que vous avez dit Amande, déjà que vous avez dit que la police est à Ibibon, mais moi, c'est à Ibanga. Mon côté, la ville à Ibanga. Ok. Mon colonel est un bagage. Pourquoi tu as dit que tu es à l'État? Ok, nous sommes appelés à Zaboye, c'est le tribunal. Liboso, on le bat qui boye. Moi, si Nayo, on est vite mine, les officiers qui sont, on est vite mine, à tout pas tout le monde. Même question, ma ouf, tu peux dire, on est le tribunal est pour nous, il y a le Liboso. Herba bloquée, herba bloquée, au lingo qui m'a compté à portail, au fossé dans ma casse, n'a yo, mais
moi aussi n'ai aucun doute même de l'exécution mais l'idée le baïque l'émission de Sinaïo a ce pas qu'il y a un homme c'est qu'il y a un homme contradiction on a tribunal et retourner un homme Est-ce que vous avez dit que vous avez dit que vous dire que c'est un procès tellement sérieux, notre client risque d'être condamné tout simplement puisque c'est le ministère pour qui insiste à ce que vous puissiez condamner notre client aussi la partie civile. Nous voulons que le tribunal puisse approfondir, que le tribunal ne puisse pas faire les. Bien, merci de la parole, c'est Maître Franck Kayolo. Je suis avocat au barreau de Maniema et de Kinshasa à la Bité pour les comptes de la partie civile. Okay. Nous rappelons également aussi. La partie prévenue vient de consommer plus de 3 heures du temps. Et parce que la même partie prévenue a posé une série de questions au ministère public, qui est aussi l'organe poursuivant, nous de la partie civile, nous étant liés, nous avons aussi le devoir de donner certaines lumières. Je passe la parole au confrère de la partie. Vous venez à peine d'arriver. Nous étions là depuis longtemps, plus de 3 heures du temps, mais la parole était. Je prends la parole d'abord pour répliquer aux deux moyens qui ont été dans l'air alimentaire. Premièrement, ils ont mis en doute que le PV du ministère public est celle de l'OPJ. Or, les partis adverses, ils oublient que le PV a un caractère authentique, parce qu'élaboré ou rédigé par la personne de l'OPJ ainsi que du ministère public. Bébé, qui est d'ailleurs assermenté. Bébé, monsieur le président, j'ai entendu un confrère qui a soulevé moyen sur les structures. Il voulait mettre en doute le couteau qui est devant votre guise de tribunal. Mais ça a levé ici tout à l'heure. Le prévenu a dit ceci. On a posé la question, il dit une petite machette. Je ne sais pas quelle qualification que l'autre parti peut dire à une petite machette. Quand on dit une petite machette, c'est quoi? C'est sorti dans le bouche du prévenu. Bébé, pour ceux qui comprennent les structures du tribunal. Or, ici on est dans une procédure de formation. La procédure veut que dès lors que la personne du prévenu est arrêtée, parce qu'il exige une petite célérité. Je sais bien que les conseils de l'autre côté, ils ont bien suivi le provoquer, nous n'avons pas de la célérité en matière de la procédure de formation. Et quand ils insistent aussi, si un major, il parle d'un major à Nako ou au Cobra. Cobra et à Nako, ce sont des personnes qui. Je suis en train de l'expliquer sur vos moyens. Maître. J'ai compris, monsieur le président. Maître. Laissez les avocats de la partie civile. Et quand on parle d'Anako et Cobra, ce sont des personnes qui pissent. Ces gens-là, c'est juste seulement sur la tête de la personne du parti prévenu. Ce sont des fantômes. Nous vous demandons, monsieur le président, de retenir l'affaire pour en dépouiller. Merci.
Parce que, selon lui, Major Nako sortait avec sa femme. Quelles sont les mesures préventives que lui avait prises au sein de sa belle famille ou dans la société pour contrecarrer le pire? Je pense que cette question a été déjà posée. Le prévenu avait répondu. Si il avait, si il avait pris l'angle avec la, sa belle famille, il a répondu non. Il n'y a que son oncle Toulousana, Toulousana, qui était passé, je crois, les après-midi. Hein, ils ont échangé ensemble et puis son oncle est rentré chez lui. Bien, la deuxième question. Selon le prévenu, ce n'est pas lui qui a donné la mort à sa femme et à son enfant. Ok, oui. Comment peut-il nous expliquer? Selon lui, c'est le major qui a donné la mort. Comment le major qui a donné l'ordre, n'est-ce pas, à ses éléments d'abattre les deux membres de la famille, donc sa femme et l'enfant. Comment expliquer que le major qui sort avec la femme pouvait-il encore abattre cette femme? Et comment est-ce que lui l'a su? Que c'était le major ou les éléments des majors qui ont abattu sa femme et la femme? J'ai répondu. Il a répondu que le major l'a sorti avec sa femme. Hein? Voilà. Allez-y, allez-y. Si vous permettez, si vous permettez, l'heure a suffisamment avancé. Posez des questions qui peuvent vous permettre au tribunal d'évoluer avec l'instruction. Votre confrère, la fait là, c'est la conséquence d'arriver en retard. Hein? C'est la conséquence. Il est totalement déconnecté. Allez-y, allez-y. Oui, votre honneur, c'est la raison pour laquelle nous prenons parole. Nous voulons simplement dire que la demande qui a été formulée pour une remise, que votre tribunal ne puisse pas faire droit. Les questions ont été suffisamment posées et le prévenu a même fait lui-même des aveux et des contradictions. Nous croyons à ce moment, il est impérieux que le tribunal puisse inviter le ministère public à requérir et les partis à pouvoir présenter leurs moyens de défense. Et nous, notre demande. Pourquoi, monsieur le président, vous avez compris ici, vous avez entendu même dans leur bouche que le procès tourne autour de Major et de Cobra. Mais ça va faire quoi si le tribunal prend la décision en toute souveraineté pour équilibrer les droits de défense, pour que le procès soit équitable, que cette personne-là ou ces personnes-là viennent... Merci. Non, monsieur le président, je chute en une seconde. Il n'y a pas d'inconvénient, il n'y a pas d'incident. Si votre tribunal prend une décision en toute souveraineté, faisant comparaître ces gens-là, merci, pour venir éclairer la religion. Et surtout que le prévenu insiste. Cette demande-là, nous n'avons pas encore la réponse par rapport à cette demande. Nous avons posé la question par rapport aux empreintes qui se trouveraient sur ce couteau-là. Nous avons posé la question du sang. Est-ce que c'est le sang humain ou c'est le sang d'un animal? Merci. Nous allons encore peut-être profiter pour poser une autre question. On nous dit qu'ils sont rentrés à 23h. Alors qu'il y a couvre-feu, nous allons en déduire au moment de la plaidoirie. Merci. Mais est-ce que le tribunal peut-il nous donner l'occasion? Il a toutes les réponses aux questions posées. Le prévenu lui-même est en train de déterminer le mode opératoire de l'exécution des faits. Lui-même dit que ces gens-là sont entrés avec ma femme. Ils vont vouloir me porter un coup de couteau, j'esquivais, cela a attrapé la femme au niveau de la poitrine. Lui-même dit
Deo Gracia qui était derrière moi, me dit avoir déjà été poignardé. Je tourne comme ça, je vois qu'il avait déjà un couteau à côté de lui. Lui-même dit que mon enfant Merveille, qui est en train de venir pour intervenir, en voulant s'y trouver, le couteau qu'il avait lancé contre moi l'a atteint au niveau de mes têtes. Ils veulent quelque autre réponse, cette défense par rapport aux réponses données par les prévenus qu'ils assistent elles-mêmes. Nous avons dit, monsieur le président, les prévenus à pleurer et les ministères de tout le monde. Le sang dans les couteaux, c'est le sang de l'animal ou bien de l'être humain? Les empreintes digitales avaient lieu. Monsieur le président, ce couteau a été trouvé sur le lieu de crime. Et par circonstance, les bien suivi, par rapport aux narrations du fait qu'il était décrit par les dossiers, sa femme est décédée, son enfant Merveille est décédé, et des autres victimes, qui sont Gracia et Hermine, sont grièvement blessés, sont alités à l'hôpital. Nous avons dit, monsieur. Okay, blessés. Les blessés là ont reçu des coups venant de qui? Ils sont vivants. Ils peuvent témoigner, ils peuvent renseigner les tribunaux sur la réalité de faits réels. Merci, merci, merci. Ça, c'est votre témoin. Merci, monsieur le président. Avant de commencer, je voulais d'abord vous faire part. À ce que disait Georges Rondeau, monsieur le président. Georges Rondeau disait le droit est la proposition des écoles de l'imagination, tout simplement, puisque jamais un poète n'a aussi librement interprété la nature comme le juriste interprète la réalité. Monsieur le président, vous allez interpréter la réalité. Un adage chinois dit ceci, monsieur le président. Cet adage chinois veut dire ceci. Les deux avocats font le bon juge. Monsieur le Président, nous allons faire de vous de véritables juges. On ne peut pas, Monsieur le Président, juger ces paisibles citoyens dans la précipitation. Merci. Je suis en train de chuter, Monsieur le Président. Permettez que je chute. Monsieur le Président, le ministère public. Vous avez suivi comment le ministère public était en cours d'argument. Il n'était pas à mesure de dire avec précision l'hôpital où se trouvent les victimes. Le ministère public est dans les capacités totales. Il vous dit ceci. D'ailleurs, le prévenu lui-même a répondu. Donc, monsieur le président, nous comprenons ici que ce n'est pas le ministère public qui amène par devant vous les véritables faits, mais plutôt c'est le prévenu. Le prévenu se transforme au ministère public. Donc le ministère public ne comprend absolument rien de tout ce qui se passe ici. Merci. Nous en sommes. Merci. Non. Dernière intervention. Ça, c'est la dernière intervention. Merci de votre clémence et votre honneur. Nous pensons que c'est la bonne amas sur de différentes questions. Tout en réitérant notre demande par devant votre tribunal. Ce n'est pas le ministère public et votre honneur. Puisque là, le ministère public est répondant et le tribunal peut nous répondre aussi quant à la demande. Vous pouvez faire ce qu'aurait dit fait le ministère public pour la beauté du tribunal. Dès lors, la Constitution sacralise la vie humaine quand on instruit au parquet et qu'il semblerait qu'il y a des vies humaines en perte. Et on vous dit à Matéba ici, non, c'est simple. Mais le tribunal peut faire ça. Que le tribunal nous accorde la descente. Que nous fassions illustration de l'événement, de ce qui s'est passé, s'il y a quelques 5 vies à venir d'ici. Et nous voulons que le tribunal nous accorde cette demande. Ça, c'est du point de vue du tribunal. Par rapport au ministère public, tout en sachant qu'il va répondre que ces personnes sont dans quel hôpital, puisque nous n'allons pas tout de même avec le tribunal, puisque vous allez permettre la descente, dès lors que vous allez accorder la descente à l'hôpital. Allons-nous commencer par quel centre hospitalier, par quelle structure sanitaire?
pour retrouver ses victimes dans une ville de 11 millions d'habitants. Dans quel sens? Dans quel point? Donc le ministère public, en répondant, va ajouter encore sa réponse à cette question. Est-ce que des personnes blessées, dont lui-même qualifie, ils auraient reçu le coup fatal? Quand il a ramassé ses couteaux, il a ramassé sur cette avenue. Dans l'hôpital, hein? Ok, monsieur le ministre, vous pouvez répondre. Merci, monsieur le président. Les victimes, tant celles qui sont mortes que celles qui sont alitées sur les lits de l'hôpital, se retrouvent à l'hôpital général de Kankoko. Nous avons dit. Merci. Le tribunal, par rapport à vos demandes, le tribunal note qu'en vertu du principe de l'intime conviction du juge, c'est-à-dire le juge apprécie les moyens de preuve apportés par les parties. C'est le juge qui décide à l'affaire. En ce qui concerne le tribunal de Sion, constate que les demandes que vous avez formulées, toutes les demandes que vous avez formulées, le tribunal trouve que ce n'est pas nécessaire. Puisqu'il est suffisamment éclairé par rapport aux faits tels que présentés par les différentes parties au procès. Donc, le ministère public, la partie prévenue et la partie civile. Donc, les tribunaux. Cette demande-là. Justement. Monsieur le Président, il y a deux instructions et des décisions prises par le chef de l'État qui concernent le couvre-feu sanitaire. Oh. Vous avez vu aussi dans quelle dimension nous avons pris la défense de ce dossier. Mais ça reste un dossier qu'il s'y est de défendre avec tous les normes de droit. Nous sommes en train de vous prier donc de nous remettre demain, ne serait-ce que pour la plaidoirie. Parce que si nous plaidons aujourd'hui, vous, le tribunal, vous serez aussi obligé de rendre votre décision aujourd'hui conformément à la loi. Regardez le temps qui nous reste. Oui, il est 19h. Il est 19h. Le couvre-feu commence à 20h. Monsieur le Président, vous avez une liste. Mais tu as gagné du temps. Oui. Vous sollicitez, c'est ça, un conclure. Vous sollicitez une remise pour la plaidoirie. Mais je vais donner le bienfait. Vous pouvez motiver encore cette demande-là. Le bienfait, le fondement de cette demande. Parce que si vous prenez cette demande comme cela, vous risquez de me répondre comme ça. Le bienfait, le bien fondé de cette demande. Je ne sais pas si c'est vous qui pense qu'il y a plus de faire avec 2 heures, ou bien non, le tribunal ou bien le ministère public. Que j'argumente, que je puisse soutenir ma demande, monsieur le président. Mais réalisez rapidement, okay. Allez-y. Cette demande va aussi dans le sens. Il y a une vingtaine, si pas trentaine d'avocats ici qui chercheront à prendre parole. C'est-à-dire, vous n'aurez pas une plaidoirie. À moi-même, je parle déjà pendant 3 heures. Vous le savez. Si on doit accorder la parole à chacun, parce qu'il s'agit ici de la défense, on aura le temps nécessaire. Merci. Là, le tribunal a compris. Merci et qu'il nous soit accordé cette. Remise. Par rapport à cette remise, le tribunal la rejette encore. Ce n'est pas important de vous accorder cette remise. Le tribunal va déterminer le temps. Non. Je vous dis, on ne discute pas avec le tribunal, maître. Vous avez le temps. Le tribunal va vous donner le temps de parler. Hein? Je crois que ça sera suffisant pour vous. Ministre Pémy, vous avez la parole pour vos réquisitions. Merci, Monsieur le Président, pour la parole accordée au parquet.
le dossier étant suffisamment instruit, le ministère public ayant saisi le tribunal en procédure de flagrance contre le prévenu, manquant Jean-Pierre, résume le dossier en ces termes par rapport au fait dont on reproche la commission. Il est reproché d'avoir à tout instant vu de ses noms et capitales de la RDC, précisément dans la commune de Kalamu, le 30 mai 2021, volontairement donné la mort à sa fille Mangwakasa Mireille, aussi par un coup de couteau. D'avoir dans la même circonstance de temps et de lieu qui s'y prend, donner la mort à mademoiselle, à madame Mangwakasa Didine, sa femme, par un coup fatal de couteau. Avoir dans les mêmes circonstances de temps et de lieu que s'y prend, volontairement porté des coups à l'aide d'un couteau et fait des blessures sur la personne de Mangwakasa Manassé, fait prévu et puni par les articles 147 de la loi portant protection de l'enfant. Avoir dans les mêmes circonstances de temps et de lieu que s'y prend, tenté de commettre les meurtres sur la personne de Moussanga Hermine, la résolution de commettre la dite infraction et a été manifestée par les actes extérieurs constituant le commencement d'exécution qui n'ont manqué leurs effets que par la Providence. Avoir dans les mêmes circonstances de temps et de lieu que s'y prend, tenter de commettre les meurtres sur les nommés Mangwakasa Deogracia, la résolution de commettre la dite infraction et a été manifestée par des actes constituant le commencement d'exécution et qui n'ont manqué leurs effets que par la Providence également, fait prévu et puni par les articles 4 du Code pénal, livre 1er, et 43 et 44 du Code pénal, livre 2. Le libellé de chaque prévention et a été annoncé devant le juge de séance. Il s'ensuit plus succinctement, je vous résume les faits. Monsieur le Président, en date du 30 mai 2021, Monsieur Mangwakasa Jean-Pierre, ayant depuis très longtemps cherché sa femme, qui a été soupçonnée de relations louches avec un certain colonel, avec un certain major, s'est résolu d'attenter à sa vie en mettant à côté un couteau pour mettre fin à la vie de celle-ci. Et que toute la journée, ayant cherché sa femme et qu'elle ne l'a pas vue, il est donc rentré à la maison très fier. Il attendait venir sa femme. Sa femme est arrivée. Ils ont commencé à se disputer. Comme il avait déjà prévu son couteau, il la poignarda à la poitrine. Et la femme qui a été transportée à l'hôpital de Kankokolo s'y combinera ses blessures quelques temps après. Comme il s'est dit, lui-même m'a dit qu'il voulait partir à la police, portais-je pas plainte pour que ces gens-là ne puissent pas fuir et que pour qu'il n'y ait pas de traces. Mais si on comprend bien la résolution criminelle de l'individu, la manière dont les faits se sont commis, mais c'est lui-même qui voulait effacer les traces. Parce que quand sa femme est décédée, il s'est résolu qu'il fallait mettre hors d'état de nuire tout celui qui était présent. Et a commencé par poignarder sa fille qui, elle aussi, trouvera la mort à l'hôpital de Kankokoro. La belle-sœur de sa fille, une certaine Hermélie, aujourd'hui alitée, poignardée aussi fortement. Mais on ne sait pas si il va continuer à survivre pour les jours à venir. Son enfant, Deogracia, qui était aussi là,
a été aussi, lui, poignardé par son propre père. Tout cela pour effacer les traces. Et il est maintenant à l'hôpital de Kankokolo. Je ne sais pas si combien de temps il reste encore de vivre. Le seul témoin qui était présent, c'est un enfant Manassé, qui par miracle a fui, mais s'est blessé quand même au pied par le fait de son père. Aujourd'hui, vous avez-vous vu comment est-ce que les prévenus s'est comporté pour les discréditer? Parce que là, il est le seul à considérer comme un témoin gênant qui risque de mettre en mal tout ce que l'intimité a dit comme propos. Monsieur le Président, présenter comme citoyen le fait examiné sur le entre dans la rétention de prévention si après meurtre pour Madame Mangakasa Bouroum, meurtre également pour sa fille Mangakasa Erveli, tentative de meurtre à l'encontre de sa belle-sœur Lusanga Hermine, tentative de meurtre quand le meurtre est une infraction intentionnelle. Il va falloir démontrer l'animus mutandi. Donc l'intention coupable de prévenir par rapport aux infractions précitées n'est pas redémontrée par sa jalousie et piqué par une colère injustifiée. Il avait déjà prévu d'éliminer sa femme et pour effacer les traces pour ceux qui entouraient la résolution criminelle telle qu'il a montée lui-même sur un plateau. Et il procédera à éliminer ceux qui étaient visés sa femme et les témoins gênants qui étaient à côté, sa fille notamment, et les deux autres qui sont entrés d'aliter sur les lits d'hôpital. Donc il en résulte que l'élément moral, à l'instar de l'élément matériel et légal, est aussi établi. En ce qui concerne la tentative de meurtre, il s'agit là de la tentative punissable. La tentative punissable, c'est le fait, tout simplement, d'abandonner un processus criminel préalablement déclenché par suite des circonstances extérieures à la volonté de l'agent. Vous avez vous-même compris que par le cheminement de son processus criminel, il avait déjà prévu d'éliminer tout le monde, mais que par une circonstance extérieure à sa volonté de tuer, il n'a pu accomplir son forfait contre ceux pour lesquels il est poursuivi de tentatives de meurtre, notamment Madame Lusanga Hermine et Mangakasa de Grâce. Nous nous sommes suivants que les conditions d'application pour que cette tentative punissable soit consolidée sont à l'ordre du droit. Il y a l'intention coupable ou la résolution criminelle. Cette religion qui a été démontrée par le fait que monsieur avait déjà prévu d'en découdre avec sa femme sous prétexte d'une certaine jalousie par rapport à des soupçons qu'il y ait une relation riche avec un certain major et de son intention coupable et coupable. Commencement d'exécution, ça ne sert à rien de l'approuver parce que les victimes sont à l'hôpital. Ils ont été victimes de coups de couteau administrés par le monsieur Mangakasa Jean-Pierre, mais par un fait de la providence, indépendamment de la volonté d'y prévenir, ces gens-là, pour le moment, sont encore en vie. Absence de désistement volontaire. Et ce prévenu était déjà en route pour
pour arriver au terme de son chemin constitué à mettre hors d'état de nuire pour ceux qui pouvaient braver son projet de l'union. Et la victime, sa femme, et tous ceux qui étaient à ses côtés, qui pouvaient constituer des témoins gênants. Et donc, ce troisième élément est aussi établi. En ce qui concerne la personnalité de la victime, monsieur le pasteur de son état, il devrait, en cette qualité, montrer à la face du monde l'exemple de sa façon de se comporter. Nous ne savons pas réellement si c'est un pasteur ou un imposteur. Par conséquent, il ne peut donc être bénéficiaire des circonstances atténuantes. L'analyse des éléments pour toutes les infirmières ayant été polarisée, le tribunal condamnera M. Mangwangasa aux peines prévues par la loi. Par ces motifs, il plaise au tribunal de dire établi en fait comme endroit les infractions des maîtres, tentatives de maître, ainsi que les coups et blessures volontaires portés sur un enfant dans le chef de nommé Mangwangasa Jean-Pierre. Par conséquent, il sera condamné à la peine capitale pour le maître de Mangwangasa Nadi. Il sera aussi condamné à la peine capitale pour le maître de Mangwangasa Merveille. Sa condamnation s'en suivra également à la peine capitale pour tentative de meurtre à l'encontre de Moussanga Hermine. Cette condamnation sera aussi dite à la peine capitale pour tentative de meurtre sur la personne de Mangwangasa Biodrassé. Il sera condamné à 6 mois de servitude principale pour le coup de blessure volontaire porté sur l'enfant Mangwangasa Manassé, pardon. Et pour cette dernière infraction, il sera condamné à une amende de 250 000 francs congolais, payable dans le délai légal, à défaut pour lui de le payer. Il subira 2 mois de servitude pénale principale. Nous allons dire toutes ces infractions commises en concours idéal et par application du principe de la plus forte expression pénale, il sera puni à la peine la plus forte, c'est-à-dire la peine capitale. Vous allez, sur pied de l'article 14, confisquer le couteau ayant servi à la commission de l'infraction. Vous mettrez tous les faits de la présente instance à charge du prévenu. Condamner le prévenu Jean-Pierre Mangwangasa aux peines requises par le ministère public. Mais puisque nous sommes au parti civil, monsieur le président, nos membres de la composition, ce qui nous intéresse, c'est la réparation. La réparation de préjudices, bien entendu, subis par la famille Lusangu, par monsieur Albert et madame Loussang. Monsieur le Président, il y a un principe en droit consacré par les dispositions pertinentes de l'article 258-259 du Code civil congolais qui dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause préjudice à autrui doit être réparé par celui ou celle qui a commis ce dommage. Au regard de cela, monsieur le président, l'on vient de vous démontrer que le ci-devant prévenu, qui n'est pas un garçon de cœur, a commis des infractions de meurtre, des infractions de tentative de meurtre et des infractions de coups et blessures sur des personnes, bien entendu, identifié au dossier.
et les éléments constitutifs vous ont été démontrés. Et donc, vous allez constater, il y a un lien de causalité, il y a une possibilité matérielle, bien entendu, de lier, d'une part, les faits, les actes posés, sinon les infractions commis par le ci-devant prévenu et les dommages qui en résultent. Monsieur le Président, je ne reviendrai plus sur les différents éléments constitutifs parce que le ministère public qui a requis de peine les a étalés du fond en comble avec des éléments en appui. Mais vous comprendrez que ces infractions qui sont établies ont un lien avec leur auteur en la personne de M. Jean-Pierre Mangwangas. Ce faisant, il y a dommage. Le dommage, ce sont des pertes en vie humaine. Madame Nadine Moussangou Mangwangasa n'est plus. Madame Merveille, sinon Mademoiselle Merveille Mangwangasa, sa fille adoptive, n'est plus. C'est une perte incommensurable. Monsieur le Président, il y a encore des victimes dont nous ne savons pas l'issue de ce qui leur sont accordés, qui sont encore sous les lits de l'hôpital, qui portent des blessures. Dieu seul le sait s'ils vont s'en sortir. Au regard de cela, vous comprendrez, bien entendu, honorable membre du tribunal, que le dommage causé par M. Jean-Pierre Mangwangasa à la famille, à sa belle famille, sont incommensurables. Et donc, il y a un lien de causalité. Je venais de démontrer que l'auteur des faits et le dommage consistant sur le perte de vie humaine, il y a un lien de causalité. Et ce faisant, sur fondement des dispositions que nous venons d'énumérer, du Code civil livre 3, il y a un lien de causalité. Et donc le préjudice subi par le parti civil incombe à la partie prévenue. Et par conséquent, Monsieur le Président, lorsque vous allez vous retirer dans le secret de délibérer, et lorsque vous allez appliquer la loi en disant le bon droit, en condamnant le ci-devant prévenu aux peines requises par le ministère public, vous allez vous pencher pour prendre une décision exemplaire pour ce qui concerne la réparation de dommages. Les vies humaines, Monsieur le Président, point n'a besoin de vous le rappeler, n'ont pas une valeur venale. Et donc, vous allez simplement condamner le ci-devant prévenu en ce qui concerne les réparations civiles à payer, à louer aux parties civiles la modique somme de 1 million de dollars américains pour chaque victime. Et donc, vous constaterez que, somme toute, les parties civiles postulent une modique somme de 4 millions de dollars américains pour tous les préjudices. Tel que présenté, la difficulté que le ministère public s'est trouvé, la précipitation de vouloir venir par devant le tribunal, présenter ces prestigieux pasteurs, prédicateurs de la bonne nouvelle, moralement correct. Dans le passé, sur toute la ville, les procès, il y a la presse, n'ont jamais fait l'objet même d'une interpellation devant la police. Encore moins devant le parquet. Une première fois, c'est devant ce tribunal pour les faits dont nous voulons vous faire l'économie. Le 30 mai 2021. Un certain, je crois vers 23h, le monsieur dormait chez lui. Il voit un homme dont il connaissait déjà son existence, puisqu'il venait souvent. C'est un monsieur connu dans cette ville. C'est un major de FRDC. Et tout le monde connaît Nako. Et c'est de ces derniers qui vient chez lui à la maison avec ses hommes
avec le trafic de fliance, puisqu'avant l'intégration au FRDC, vous comprenez, l'FRDC vient des miettements, des composantes, entités, groupes rebelles. C'était un ancien seigneur de guerre de l'Est qui a intégré FRDC avec ses millions, Dieu sait là où il les a trouvés. Mais ces millions, ces galons, sa position FRDC, c'est de briser des familles, c'est de détruire les couples. Il s'amena avec 3 heures dans cette parcelle, avec ses hommes 4, cagoulés en lunettes telles qu'on vous l'a détaillé ici. La mission était simple, d'éliminer ces prisonniers, pasteur. Et arriver sur les lieux, c'est comme quoi les projets tels que faits, on n'a pas pu attendre le pasteur. Et dos à dos, ces majors et ces 4 hommes ont perpétré certains blessures. Puisque, on vous dit ici, il y a des personnes qui sont mortes. Il y a des personnes qui sont blessées. Nous sommes, votre président, au 21e siècle, lors de l'Android, de la nouvelle technologie du Facebook et de WhatsApp et de toutes les autres applications dites des réseaux sociaux. Aucune photo au procès, même par hasard, ni de l'OPJ, ni du ministère public, ni d'un passant, ni d'un bienfaiteur qui vous prendrait une photo et qui vous l'amène. Voici la blessure, puisqu'on parle de coups et blessures, voici la blessure. Mais on imagine, on vous dit, mais le tribunal dit qu'il est suffisamment clair. Ok, ça c'est au tribunal. Vous avez crié, vous êtes éclairé sans avoir vu la photo, sans avoir vu un élément. On vient par devant vous, le tribunal, pour vous dire non. Quand ces hommes-là sont, je suis au fait, quand ces hommes-là sont venus, il y a X ou une personne qui serait morte. On veut bien le croire. Nous laissons à ceux qui vont développer un droit pour raconter la matérialité de ces infractions. Voilà comment, dans cette parcelle, il y a eu des blessés. Et si Mangwangas a réussi à s'échapper, pourquoi? Puisqu'il connaissait la parcelle. Ils y habitaient, mais également c'est un homme. Il est sorti, et c'est lui qui a fait appel à la police. Voilà, il y a tel élément chez moi, un certain major a débarqué et voulu me tuer. Voilà ce qui arriva par un objet contendant, d'après ses explications. Et d'après ses explications, dans cet objet contendant, dont il faisait noir dans la parcelle puisqu'il n'y avait pas l'électricité, il n'a jamais fait allusion à un quelconque outil à part un objet contendant non notamment identifié. Il n'a pas parlé. Certainement, le tribunal a un couteau du ministère public que les autres vont développer. Que si Mangwangasa ne connaît pas ce couteau, ce couteau ressemble au prototype de couteau qu'aurait importé sa femme pour les besoins des marchandises et pour la vente, pour le commerce. Et ça n'a jamais été le dispositif de visite. Certainement, sur cette question, vous avez compris laquelle des difficultés le ministère public se trouvait pour ne pas vous détailler ces arguments. Au regard de ces faits, une victime qui est visitée par une personne qu'on vous avance les noms, il est connu, il est identifié, il travaille au FRDC, c'est un major et certains de ses hommes. Si vous passez outre au regard de ces faits, si vous voulez analyser d'autres faits que ce qui s'est réellement passé, sans les éléments qui contredisent ce à quoi nous vous développons, je crois que le tribunal, consciemment et calmement, comprendra que vous êtes face à une personne victime du major Nako, mais qui a réussi à s'échapper, c'est pourquoi il est devant vous. Mais les autres victimes de ce major Nako, nous ne connaissons pas la suite, sauf le ministère public qui n'a pas su vous le développer. Voilà pourquoi, pour ne pas abuser de la largesse du tribunal, quoique nous vous avons fait cette remarque en introduisant, je voudrais laisser la parole aux autres. À moins que le tribunal ne choisisse d'être
dans la société et de ne pas suivre le chemin de droit. Parce que dans la société, c'est les émotions, dans la société, c'est tout ce que vous connaissez qui ne cadre pas avec le droit. J'aime bien le professeur Soyer, qui nous a fait beaucoup de manuels que nous utilisons, vous et nous, aujourd'hui. Dans sa réflexion, il est arrivé à cette conclusion. Il dit, la preuve, c'est l'âme du procès. La preuve, c'est l'âme du procès. Il n'y a pas de procès sans preuve. Je vais revenir sur ça pour vous prouver que ce procès est vide de preuve. Et parce que ce vide de preuve, vous n'avez pas de chemin à entreprendre. Vous n'avez qu'à acquitter l'homme qui est là pour absence de preuve. Première absence de preuve, monsieur le président. On vous parle de mort d'homme. Mort d'homme. Mais on veut vous ramener à l'église pour croire à la parole évangélique du ministère public. Et j'ai entendu même le ministère public aller loin pour dire lui-même a dit ça. C'est comme si mon client là avait le pouvoir au départ de la loi à dire qu'il y a mort ou pas. La loi que vous allez suivre ce soir vous oblige à observer la mort par le certificat de décès. Je suis content. Le ministère public vous a dit. Il a été trop passionné. Il dit, qui sait encore le quelque temps qui reste aux autres de vivre à l'hôpital où ils étaient. J'étais à l'impression, j'avais l'impression de vivre une novelas tout à l'heure. Il dit qu'ils étaient à l'hôpital. Mais c'est quel médecin qui a constaté la gravité de ce qu'il dit, lui? Quel est le médecin qui a constaté la mort? Parce qu'il nous parle de meurtre. Monsieur le Président, est-ce que vous vous direz qu'il y a mort? Est-ce que vous avez la qualité? Vous avez le pouvoir de dire qu'il y a mort? Dans le procès de mort d'homme, on commence par le certificat de décès. Parce qu'il n'y en a pas. Est-ce qu'on peut parler de mort? Non! C'est comme quelqu'un que je vis là, en train de passer. Il dit, oh mon mine, on a balayé. Mais il n'a jamais amené à la commune. Peut-on dire que celui-là, il a épousé? C'est ma parcelle, tu n'as pas le certificat d'investissement. On ne va pas vous amener dans la sociologie. Vous êtes le tribunal de droit écrit. Même si mon client a dit qu'on lui a dit à la police que les autres seraient bons, ce n'est pas à lui de constater la mort. C'est le médecin. À l'absence de... J'ai beaucoup aimé, hein, la narration de fait tout à l'heure. On vous dit que nous sommes en plein 21e siècle, le siècle de la vitesse. Vous savez, monsieur le président, si quelque chose se passe maintenant à Barungu, il y a possibilité qu'aux États-Unis qu'on puisse le voir. C'est où la preuve? Où sont les cadavres? Même quand il y aurait des cadavres, est-ce que c'est à nous de constater que ce sont des cadavres? Où sont les médecins? Mais parce qu'il y a cette preuve-là, je ne pense pas que vous aborderez dans cet angle. Mais parce qu'il n'y a pas de preuve là, il y a doute. Monsieur le président, vous savez ce que le doute veut dire en droit. Le droit dit que le doute profite aux prévenus. Ils vous ont amené les dossiers avec plein de doutes, plein d'obscurités. Mais je suis très navré quand j'apprends que le tribunal est très éclairé. Le tribunal est éclairé dans le vide. Le tribunal est éclairé dans le zone où on lui a donné aucune preuve. Mais alors, après notre intervention, le tribunal comprendra qu'il n'était pas éclairé et il va libérer, il va acquitter. Parce qu'il n'y a aucune preuve de mort. Est-ce que faudra-t-il que je revienne sur le coup et blessure volontaire? J'étais là. Je suis le premier à avoir raté la comparution. Je n'ai pas entendu l'instruction sur le coup et blessure volontaire. Est-ce que doit-on plaider sur une infraction pour laquelle on n'a pas instruit? Non. C'est une infraction. On a instruit quand?
même sur les autres, on les a insultants. Il n'y a pas eu d'instruction au niveau de l'État. Monsieur le Président, la remise, c'était à raison de leur donner l'occasion de bien faire les choses. Mais parce qu'ils ont refusé, ils sont pris par leur propre filet. Ils ont creusé le trou dans lequel ils tombent maintenant. Il n'y a pas de preuve de mort d'homme. On ne peut pas parler de meurtre. Vous êtes le tribunal de droit écrit. Je complissais ce dossier de A à Z, je n'ai pas vu les certificats de décès. Qui doit être établi par un médecin reconnu par l'État congolais. Avec son numéro d'ordre, il n'y en a pas. Donc le doute plane. Vous allez acquitter à cause de cela. Ne suivez pas le méfait de la flagrance. Et je sais que le tribunal de droit écrit. C'est ton droit de faire appel si au Lingui. Le tribunal vous remercie. Plus rien n'est restant au rôle, l'audience est levée. Mission TV, le miroir du monde.